Ça va ? Alors, la petite mise au point, Tenkei. Où en est-on déjà sur ces 5 premiers jeux ? Et après, on va voir ce qui nous attend. Voilà, alors sur les 5 premiers jeux, donc on a déjà fait Maldita, Refunct, Zelda, je suis en train de les oublier. Nitro Necrush et Mario, merci. Donc on a en 4ème position. On va peut-être regarder d'ailleurs voilà. Le tableau pour appuyer un petit peu ce que nous disons, le tableau justement du tournoi pour faire ce petit point. Voilà, Kouchas en 4ème position avec 993 points, Melwest 1 point devant, 994, Tifa 2 points devant, il est donc 2ème avec 996 et Brother Main, celui qui vraiment tire son épingle du jeu là. Après ce Smenta, aucune contre-performance, il a vraiment été régulé partout, le seul au-dessus des 1000 points avec 1002. Ouais, en tout cas, ils l'ont dit dans les interviews, Twin, la plupart des runners, il y a des jeux qu'ils craignent, il y a des jeux qui, sur lesquels ils vont pouvoir capitaliser un peu, montrer qu'ils se sont beaucoup entraînés, peut-être gratter quelques points. Alors certes, on ne parle pas de gratter 30-40 points, évidemment. Mais gratter 3-4 points, c'est déjà bien. En tout cas, quelle est la suite du programme et quelle est la prochaine épreuve ? Alors juste après, nous allons avoir Mirror's Edge, on en a beaucoup parlé, ça fait partie de ces jeux. Qui cristallise, hein. Certains adorent, d'autres détestent, et parmi nos 4 runners, il y a des niveaux très différents. Juste après, on aura Kururin, dont on a entendu le nom aussi, Tifa en a parlé. Chipendel, ça sera un peu le mystère, le jeu qui reste, tout le monde un peu de niveau équivalent. Dark Souls, évidemment, en quatrième, l'immanquable, on ne pourra pas y échapper. Et enfin, peut-être le meilleur jeu pour nous tous, le 10e, Mega Man 2. Qui a coûté tant. Donc un gros programme. Ah oui, de toute façon, c'est, même pour moi, ces deux derniers jeux, ils ont une aura particulière. C'est des jeux qui venaient de l'UD1. Donc voilà, évidemment. Moi je suis un vieux de la vieille, l'UD1, tout ça. À l'époque, il suffisait de faire 1400 points pour briller sur scène. Maintenant, c'est plus possible. Donc quoi qu'il en soit, ça risque d'être très tendu. Alors, on a après, en off, on a demandé aux runners, et c'est marrant parce que. Quand on est quatrième, on a la pression, et Bro disait tout à l'heure, par exemple, il est premier, il a la pression, parce qu'effectivement, quand on est premier, on a une pression particulière, on peut que se faire rattraper. Donc on est là, mon Dieu, où sont les autres ? C'est terrible, donc quel que soit. On faisait le pari, en tout cas, que c'est deuxième ou troisième, on a peut-être le moins de pression. On se posait la question. Quoi qu'il en soit, Mirror's Edge, Tenkei, un petit peu les PB de nos joueurs et leurs résultats, qu'est-ce qu'on peut attendre sur cette épreuve ? Mirror's Edge, Kouchas l'a dit tout à l'heure, c'est un jeu qui lui fait un petit peu peur. Brother Main, pardon, puisque lui, son PB il est à 26 minutes, il a 203 points, hein, donc on est tout de suite toujours au-dessus des 200 points, donc un joueur très très bon, mais pour lui, il pense que ça va pas lui suffire. Kouchas qui est à 204 avec 25-33. Melwest qui a un vrai avantage, ils ont tous peur de lui, hein, sur Mirror's Edge avec son 24-10 et ses 209 points. Et Tifa, 24-55, 206 points. Bah, Tifa, là, même la dernière semaine, il a beaucoup grindé le jeu. Il est plus fort que le Tifa de la GF2 normalement sur ce jeu. Il a pas mal regrindé. Et pour les autres, je sais pas trop. Leur niveau sera sans doute similaire. C'est plutôt un jeu de la régularité. En tout cas, on avait vu Twin dans le format éliminatoire. Plutôt un jeu très linéaire. Si on est meilleur, a priori, on a une petite avance. Oui, c'est en général là un pari sur un classement Melwest, Tifa, Kouchas, Brother Main serait sans doute le pari le moins risqué de toute la journée parce que Mirror's Edge c'est très 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 difficile de gratter des points et aussi assez compliqué d'en perdre, il faut vraiment des grosses grosses erreurs. Donc là les runners n'ont qu'à vraiment faire de leur mieux et normalement il n'y a pas tellement de choses de surprises qui vont arriver. Mais en fait en relief dans le classement qu'on a actuellement, c'est Brother Main qui est en avance et qui est le plus en difficulté sur ce jeu. Donc c'est de combien va-t-il chuter ? Va-t-il rester en premier juste devant Devil Tifa et Melwest ? Kouchas peut-il remonter ? Tant de choses à voir avec un jeu. Et ben en tout cas, on va se regarder le clip de Mirror's Edge et la race démarrera juste après.
Est-ce que nos runners sont prêts? 4 pouces. Eh ben, on va pouvoir y aller. Criez le décompte. 1, 2, 3, 2, 1, go. C'est parti. 23 niveaux, Tenke. 23 niveaux. Il va falloir, du coup, s'accrocher. Et on commence, du coup, par un niveau qu'on va avoir 3 fois et qui est très difficile. Oui, oui, complètement. Là, de toute façon, on va les voir plus souvent. Il y a voilà, des environnements qui sortent du mode histoire et des petits parcours un petit peu spéciaux qu'on doit refaire. Voilà. Ouh, ça commence tranquillement. Voilà, les points de repère. De toute façon, dans Mirror's Edge, c'est très, ouh, c'est très simple. Hein. Tout est blanc ou bleu et voilà, les objectifs sont rouges. On sait où aller. Le jeu est très épuré à ce niveau-là. En tout cas, c'est très agréable parce que là, du coup... les joueurs ont une grosse qualité de streaming et c'est vrai que ça fait partie de ces jeux qui peuvent souffrir quand les gens ont une mauvaise connexion. Et là, le jeu est transfiguré parce que comme on le commande toutes les semaines avec le hangout où le framerate est moins bon, là c'est d'une fluidité incroyable. On voit et du coup, ouf. Oh, attention, Melwes qui termine en premier, comme on l'avait dit, suivi de Kouchas. Ah, finalement, c'est Tifa qui est en difficulté un petit peu plus que ce qu'on aurait cru à cause de cette petite erreur. Quoi qu'il en soit, Mirror's Edge, c'est vraiment un jeu du coup. Avec, dans une catégorie particulière, on va faire ces time trial au nombre de 23, glitchless car ne sont autorisés ici que les éléments de gameplay émergents qui ne cassent pas le jeu, donc les gros glitches ne sont pas autorisés. Cependant, il y a de nombreuses choses qui vont nous permettre de prendre des trajectoires particulières, construire une vitesse et là garder. Oui, bah, y a notamment le sidestep hein, qu'on va voir absolument tout le temps, là vous le voyez. Donc ça consiste à mettre le personnage à 90 degrés de la direction où on veut se déplacer, faire un pas de côté, remettre la caméra dans le bon sens et courir. Ouh, on évite toute la phase d'accélération en fait. Le personnage obtient sa vitesse maximale tout de suite. Voilà, chaque fois que vous voyez le personnage qui donne un petit coup de bras comme ça sur le côté, c'est un sidestep et c'est fait pour aller très vite. En tout cas, sur ce jeu, ce Melwes 994 points a de fortes chances de rester devant Kouchas qui est quatrième. La question c'est, va-t-il mettre suffisamment de points à Tifa qui est devant lui et Bro qui est à 1002 points, a priori le plus faible sur l'épreuve. De l'aveu de tous les joueurs, mais qui est premier pour l'instant. Melwes en tout cas, qui est premier. On prend l'in-game time comme d'habitude, même si, a priori, aujourd'hui, nous avons les mêmes PC, donc normalement, nous devrions avoir des temps de chargement sensiblement identiques. Mais le hardware, on sait ce que c'est, parfois, oui. Du matériel identique, il peut y avoir un petit peu de variation. Brothermain hein, qui disait qu'il n'était pas confiant, alors que là je regarde ses scores de la GF2, c'est un de ceux qui était le plus régulier puisqu'il avait fait un 26-33, donc 30 secondes derrière son PB. Kouchas qui avait fait 10 secondes de plus que son PB. Et Melwes il était déjà sur du 40 secondes derrière et Tifa il était à plus d'une minute. Donc voilà, Tifa et Melwes qui ont l'avantage mais qui ont été un petit peu moins réguliers en race. Le kick ici, on fait le wall run, le kick pour tomber, on se retourne, on tombe et on prend ce checkpoint, c'est plein de petites stratégies. Mirror's Edge, c'est donc un jeu dans lequel il n'y a pas de gros skip et de grosses morts punitives. Pas de gros skip parce que pas de gros glitch et pas de gros skip parce que justement, pas de grosse perte de temps parce qu'il y a de nombreux checkpoints. Mais c'est un jeu où, un petit peu à la Zelda, même s'ils sont très différents par ailleurs, on perd ou on gagne du temps partout. Ce qui fait que si vous êtes meilleur, bah, vous grattez quelques secondes à chaque saut, à chaque wall run, à chaque kick, à chaque sidestep et vous vous retrouvez du coup vous creusez une certaine avance même si c'est lissé dans cette épreuve à raison de 1 point toutes les 18 secondes. Ça évite, avec une échelle exponentielle, ce jeu aurait pu être très difficile pour certains. Non mais c'est le problème de toute façon, des jeux en 3D, avoir exactement la même trajectoire à chaque fois c'est quasiment impossible, il y a beaucoup trop de paramètres. Et on a donc ce niveau qui est terminé par Melwes. On a Tifa qui fait la petite ascension là avec ce bouton 180. On rappelle, Mirror's Edge, c'est un jeu avec un gameplay très très simple. On a la souris, on a les strafes avant-arrière, une action haute, une action basse, un bouton pour se retourner. Et après, tout ce qui va changer, c'est le positionnement de notre face, de notre personnage en question de distance et d'angle par rapport aux différents objets de l'environnement avec lesquels on peut interagir. Et c'est ça la difficulté Tenke, c'est savoir justement bien discerner les objets, appréhender les objets qui composent le level design et en tirer profit pour aller vite. Oui, bah on va le voir un petit peu plus tard, hein. Il y a des moments où on prend des on abuse vraiment du système de jeu qui prévoit des chemins un petit peu plus standards, mais en fait on peut réussir en faisant les bons, en utilisant bien ses ressources de wall jump et se retourner, on peut réussir à aller beaucoup plus vite. Ouais, on voit par exemple les gens rabattent souvent leurs jambes quand on rabat les jambes quand on est en l'air, donc
Ça a l'avantage, on n'accroche pas les barrières, mais par contre, on ne pourra pas s'accrocher si on saute pas assez loin. Donc voilà, là ça passe pour Kouchas, mais c'est des prises de risque à chaque fois évidemment. Oui, tu le disais, hein, beaucoup d'occasions de perdre du temps, et ça, c'est l'avantage de ce jeu, c'est que c'est assez lisible à ce niveau-là. Dès qu'on voit le personnage faire voilà, une petite animation comme ça, voilà, se rattraper ou quoi, ou une roulade, toutes ces animations-là qui sont pas juste courir, on sait que le joueur a perdu du temps. Ouais, mais Mirror's Edge, c'est vraiment le jeu, effectivement, en regardant simplement le record du monde, c'est très difficile de savoir quoi faire. Parce que, au-delà, qu'est-ce qui se passe ? Petite erreur là. En tout cas, c'est rattrapé. Bro qui construit de nouveau sa vitesse. Effectivement, une fois qu'on a un certain élan, le conserver avec une série de sauts. Allez, ça passe ce saut pour Tifa. Mel West qui passe également, du coup, assez brillamment cette fin de niveau. Attention. Ouais, Tifa qui va essayer de rattraper son retard. Kouchas, quel est le dommage. Pas à passer, ça fait deux fois qu'il est bloqué par la barrière. Allez. Ah, il essaie de faire un saut ici. En gros, alors le mieux c'est de. Les joueurs bindent le saut sur échappe ainsi que sur la molette de la souris pour faire justement un wall boost, et ça va permettre certaines trajectoires intéressantes. On va très très vite avec un wall boost. Il faut enchaîner les sauts en fait quand on est proche du mur. Ça se travaille. Mais du coup, il a décidé de passer normalement. En fait, une route qu'on voit presque jamais maintenant dans ce niveau-là. On ne sait même plus vraiment comment passer. Allez, c'est ça, Bro. C'est ça bon. Passe pour Bro. Voilà, le E2. Et la roulade à la fin pour amortir la chute. On rappelle, hein, le sidestep, ça consiste à plutôt que courir normalement comme le commun des mortels ferait. On va évidemment regarder à 90 degrés de la direction dans laquelle on va. On fait un ça, on fait du coup un pas chassé, un saut, et ensuite on regarde dans le sens où on veut aller. Et du coup, FaZe va rapidement atteindre une vitesse assez importante qu'il s'agira de conserver. Et le plus difficile, Tenkes, c'est pas forcément ce sidestep qu'on fait en début de niveau, c'est ces espèces de stop and go qu'on fait en cours de niveau qui sont des fois difficiles. Bah là on voit, hein, Tifa il le fait beaucoup, il en enchaîne beaucoup. Là il fait plein de petits wall jump aussi. Dès qu'il y a une toute petite portion de mur, il fait un wall jump pour gagner un tout petit peu de vitesse, un tout petit peu d'accélération. Et des sidesteps constants, voilà, il se set up. En tout cas, Mel West arrive sur un des niveaux sur lequel qui peut être assez décisif. Il y a justement, attention, va-t-il faire les fast strats? Il passe par ici, il passe par-dessus le grillage, va-t-il faire le tour ou la fast strat qui ne fait pas gagner beaucoup de temps? Ça attente la fast strat. Oh, ça passe, ça et passe. C'est bon. Oh, c'est dommage. Il visait le coin. C'est un niveau souvent, quelle que soit la catégorie, qui est crucial. Il y a de nombreuses techniques rapides. Alors, est-ce qu'il va tenter l'ultra fast strat ou une strat intermédiaire avec le bloc? Il y a trois façons de passer sur cette fin. Mais il va faire la strat intermédiaire, je pense, en passant par ce coin de mur. Ça passe tranquillement. Voilà, la strat intermédiaire qui passe, on prend pas trop de risques. C'est le bon compromis, je pense. Pendant que Kouchas arrive à la fast strat aussi, qui va être tentée par Kouchas. Allez, le wall run, on enchaîne, on monte. Ça passe bien en tout cas. Et c'est bon, il s'est bien rattrapé. La roulade, parfait. Mel West qui attaque les niveaux du coup des égouts, évacuation. On va avoir de nombreux niveaux. C'est des points de repère, hein, pour ceux qui connaissent moins le jeu. On rappelle, hein, on fait les sauts comme vient de faire, hein, Mel West. Hein. Les sauts sur les barres à la frame qui permettent de garder sa vitesse. Kouchas pour la strat intermédiaire aussi. À une échelle. on essaie de les éviter, Tenke, évidemment, les échelles dans Mirror's Edge. Ah bah oui, hein, de toute façon, tout ce qui est pas... Si on n'est pas en train de courir, de toute façon, on est en train de perdre du temps. Ce sont des speedrunners, ils veulent éviter ça à tout prix. On l'a pas précisé, hein, mais en bas à gauche de l'écran, à Mel West, vous voyez le niveau auquel il est rendu. Et c'est autour du timer, hein, sur le layout standard. Donc vous pouvez toujours... si vous connaissez pas les niveaux, vous pouvez au moins savoir qui est devant. Ouais, c'est ça. Ça permet donc là... de toute façon, normalement, ce qui est censé se passer, c'est... est-ce que c'est l'instruction un petit peu des différents tournois quand on a vu Mirror's Edge, c'est la régularité, c'est derrière le PB certes, mais la régularité, ce qui veut dire que Mel West normalement sur ce jeu est censé gratter quand même 2 points par rapport au deuxième et peut-être 5 ou 6 points par rapport à celui qui terminerait le dernier de cette épreuve. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez dans la salle, mais pour l'instant, même si des fois il y a eu des petites morts, globalement les étalons, on a l'impression qu'ils sont ils sont trop longs pour nos runners, hein, ça fuse, qu'en pensez-vous? Donc c'est ce qu'on fera à l'UD5 sans doute. On va étalonner en fonction de l'UF4. Ça, ils sont un petit peu moins d'accord. Hein. Ouais, l'échelle aussi qui a été prise ici, le petit saut, le petit détour, parfait. Le 180.
le sidestep. Moi, ce qui m'impressionne le plus Tenkes, ce sont les sidesteps quand on est proche du vide, parce qu'il faut pas le rater. Hein. Mais c'est ça, on a vu plusieurs fois Mel West, là, un tout petit peu plus tôt, le faire sur des phases où on doit faire sauter, arriver sur une plateforme, tout de suite être en position de sidestep et réenchaîner. Il les a tous passés sans problème. Ouh, par contre, Brodermail, là, qui s'est un petit peu... qui a essayé son sidestep un tout petit peu trop vite, il était dans le coin et ça l'a fait passer par-dessus la barrière. Ouais. Mais le checkpoint était juste avant, donc la perte de temps est vraiment pas très grande. Du coup, ouais, petite perte de temps quand même. Quoi qu'il en soit, on voit que... on refait un sidestep pour reconstruire sa vitesse pour Bro. Allez. Voilà, Bro qui fait pas du coup des sidesteps à chaque fois qu'il arrive là sur une plateforme, comme on avait vu Mel West faire, mais il fait des petits wall jump quand même. Bah, il y a moyen de faire des wall boost ici, mais après... voilà, ça peut se tenter, mais si ça se rate, ça peut être un petit peu pénible. En tout cas, Tifa ici, qui est pour l'instant qui a un petit peu de retard. Tifa qui est à 996 points dans cette ultime finale 4. Il est deuxième. Ouh. Et du coup, ce qui est étonnant, j'ai l'impression, Tenkes, c'est que Tifa, il est un petit peu en dessous de ce qu'il devrait théoriquement faire. Il a fait des petites erreurs, mais donc on devrait avoir un Brotherman. Qui va sans doute perdre des points de manière relative par rapport aux autres. Même Tifa finalement qui va peut-être pas rattraper autant Brotherman qu'il l'aurait voulu. Donc on va peut-être avoir le premier et le deuxième qui vont se faire rattraper par Mel West et Kouchas. Mais c'est vrai que déjà à la grande finale jour 2, hein, il avait eu un petit peu de mal sur Mirror's Edge. Là on peut pas vraiment parler de difficulté, il est derrière mais il n'y a pas eu de grosses erreurs et c'est pas un temps catastrophique. Mais c'est vrai que là il a du mal à récupérer des points Tifa, et donc il va vraiment falloir miser sur les jeux qui arrivent après. Ouais, allez, on se concentre. En tout cas, l'expérience, c'est incroyable. C'est vrai que pour les jeux, c'était un peu pareil sur Refunk. Sur les jeux à la troisième personne, comme ça, un petit peu plus gourmand. Tout de suite, là, quand c'est fluide comme ça, on a vraiment une plus-value, je trouve, en tant que spectateur. C'est vraiment agréable. Et on se rend d'autant plus compte des différences quand on joue, nous, quand on est un speedrunner beaucoup plus humble. Ah oui. J'ai l'intention d'aller vite, donc ça suffit. Mais on va plus lentement. Et là, effectivement, Mirror's Edge, il y a le côté, même quelqu'un qui ne connaît pas le jeu sait quand quelqu'un va plus vite. Faut pas avoir l'impression que Face est un plot, faut que ce soit fluide. Voilà. Ah, Mel West, on le voit, hein, tu le disais tout à l'heure, qui relève à chaque fois les jambes hein, pour vraiment réussir à passer par-dessus les obstacles plutôt que de s'y accrocher, qui a une animation très très longue. On rappelle, leur corps est à 22 minutes 04, c'est vraiment fou. Mel West qui est évidemment loin de ce niveau, mais qui est le meilleur runner décathlonien sur ce jeu en tout cas. Parce qu'il y a Biwix, il y a Zuketra, il y a tout un tas de joueurs qui sont très très bons, mais qui n'ont pas tous les autres jeux. On peut dire du coup que parmi les décathloniens, Mel West a vraiment bossé ce jeu. Allez. Tifa, faut qu'il récupère du coup un petit peu. Il faut qu'il fasse des bons niveaux. Là, on va avoir aussi du coup un niveau assez intéressant. Va-t-on voir le skip? Il y a des skips dans de nombreux niveaux. Ou Mel West, ça a patiné un petit peu. Allez, on se concentre. Tifa qui a eu un peu de mal aussi sur le début de ce niveau. Brotherman qui est toujours un petit peu en retard. Hein. Lui, il arrive tout juste. Arrive, Mel West. La fast strat où on va à droite, genre en mode on va pas. On Alors, y va. Non, ah, on bah, même, y va même Mel West. Donc on... C'est Tifa qui le tente le plus, ce tricks, je crois, ce ouais, gauche. Ouais. Mais il y a eu une petite phase, il y a eu 2-3 semaines de tournoi où quasiment tout le monde le tentait et ils y arrivaient presque jamais du premier coup. Et depuis, ils sont tous revenus sur la backup, ouais. Ils prennent plus le risque. Finalement, le risk and reward est vraiment pas en faveur de ce trick. En tout cas, il y a plus consensus sur ce truc que sur Moldorn. C'est pas 100%. Ah, voilà, ouais, ouais. Ça, non, je pense là, qu'ils sont d'accord. Clairement. Ouais, ouais. Le petit kick ici de Tifa, parfait. L'avantage du kick, on va se décoller vite du mur. Et ça, on n'en voit pas forcément beaucoup, mais ça a des petits intérêts aussi. Se décoller pour les chutes aussi avec les wall run, il y a tout un tas de trucs. Parce que quand on tombe de trop haut, on prend des dégâts et on est ralenti. Kouchas normalement à droite, évidemment. On prend pas trop de risques. Tifa qui va y arriver. C'est vrai que Bro a quand même du retard. Il avait mal splitté, donc il s'est. Ah, Tifa qui le tente. Ah, ça et c'est passé. Mais Tifa, c'est un des seuls à le tenter assez souvent. Et du coup, ça permet de quand même rattraper un petit peu de temps. J'ai plus en tête le nombre de secondes exactement, mais en tout cas c'est... Et surtout ça met en confiance pour la suite. C'est ça, complètement. C'est passé, c'est cool.
Bah, c'est un jeu où il y a quand même assez peu de tricks, hein, tu le disais, c'est surtout entre guillemets mieux joué, et ça c'est un petit peu partout. Par contre, ça c'est un... quand il y a du coup peu de tricks dans un jeu, chaque fois qu'on en réussit un, on est vraiment content. Et donc ça va peut-être le motiver pour les niveaux suivants à en tenter aussi. Par exemple dans Office, on connaît les Very Fast Strats. Allez, c'est parti. En tout cas, Mel West, les niveaux des grues, on est sur des niveaux du coup à l'extérieur. On a grue 1, on a grue 2. Il y a des portions de niveau en commun. Faut faire attention d'ailleurs quand on n'est pas réveillé ou sous pression de ne pas se tromper. On rabat les jambes ici. On va accrocher la barrière. Le sidestep ici au bord du vide. On s'accroche. Ah non, on passe directement en super course de Mel West. Pas mal. Ici, low wall run. Voilà. Le sidestep, c'est ça, c'est vraiment impressionnant. Il y en a partout. Quoi. Faut jamais s'arrêter. On va essayer de grimper. Et là, là. C'est surtout là, on descend. On monte pas parce que c'est vrai qu'on peut, ouais, en étant un petit peu inattentif parfois, se tromper. Allez, et un saut tenke à la fin de ce niveau qui est assez, assez punitif quand même. Enfin, faut faire attention. Voilà. Il se prend appui ici. Il va prendre un dégât, un petit damage boost ici. Le damage allez, boost qui fait allez, que ça allez. Passe. Ouais. Un moment qui fait toujours peur, même quand c'est Mel West, même quand c'est Biwix, on a toujours peur. Alors sachant que on disait 24-10 en tout cas pour Mel West, son meilleur temps à la GF2 il a fait 24-59 et son meilleur temps en décathlon entraînement c'est 24-52, donc sub 25 en tout cas. Tifa qui arrive là, on va essayer sauter au dernier moment, on rabat les jambes, ça marche bien. Ils sont tous au niveau des grues à part Mel West, mais ils sont grue 1 ou grue 2. Un niveau ultra décisif Tenke, c'est un niveau où on a vu plein de gens patiner sur cette fin de niveau là où est Mel West. Hein. Bah oui, mais de toute façon, hein, tous les niveaux des grues, il y a énormément de sidesteps possibles partout, donc beaucoup d'accélération. On a vu des gens tomber en oubliant de relever les jambes, en ayant du mal à s'attraper. Ce passage là où arrive Mel West, où il y a plusieurs strates possibles. Et parfois, alors qu'est-ce qu'il va tenter? Allez. L'ultra oui, passe c'est qui passe passé. Alors on était au niveau après les grues, c'est le niveau juste après les grues. Il va attaquer l'usine, donc c'était New Eden avant. L'usine, le niveau qu'on reconnaît effectivement en stream, là vraiment, c'est le niveau orange, le niveau d'intérieur. Il n'y a pas de trou, mais il y a beaucoup c'est d'optimisation. et ça le rend pas si simple. Il va falloir justement regarder par exemple, petite animation. Bah tiens, voilà, ça c'est par exemple petit, c'est une très légère erreur de Mel West. On rappelle hein, que pour les animations, il y a moyen de les raccourcir si quand on fonce vers la barrière, on lâche la pression avant un court instant. Et ça évite d'avoir sa face pass par-dessus la barrière avec une main. Et idéalement, il faut le faire à chaque fois qu'on peut le faire. Mais on a à chaque fois une opportunité de le rater. Et du coup, d'avoir une animation assez longue. C'est vrai que là le niveau Mel West il peut être assez compliqué parce qu'il y a énormément d'obstacles et donc chaque fois qu'on tape dedans finalement on va perdre toute notre accélération et là on l'a vu hein, il a fait des sidesteps absolument partout. Wow. Voilà le petit wall run. Ça c'est très beau, j'aime bien ce petit saut ici justement. Le flip ça passe, on ne s'accroche pas, c'est assez fluide pour l'instant Mel West. Pas de grosses erreurs j'ai l'impression, on pourrait être sur un de ces temps de race possiblement. Tifa qui arrive sur la fin du niveau. Allez, Tifa. C'est passé. Et là on allez. A vu hein, en termes d'optimisation il était à oh 2 mètres. Alors là l'ultra ah. fast ou la fast simplement, juste la fast strat. Il fait le tour. Il y a que oh, en tournée oh. il y a que Biwix qui avait fait l'ultra fast de mémoire. Allez, ah, ah là, il faut la réussir, allez. C'est pas grave, heureusement. Ce sont des petits ratés, aïe aïe aïe. Allez, on encourage Mel West. Allez ah. ah là c'est ah. réussi. Donc là allez, assez dommage effectivement raté une. C'est plus technique aussi. Malheureusement il va perdre pas mal de temps sur ce niveau. Heureusement pour lui, il avait quand même une belle avance là. On aurait pu s'attendre après avoir raté 4 fois un skip de se faire rattraper, mais non, il a toujours une belle avance. Ouais, car mais là, c'est du coup, c'est quasiment c'est plus d'un point qui s'est envolé rien que sur ce niveau quand même. Alors, même à raison d'un point toutes les 18 secondes. Mais c'est pas grave, faut se reconcentrer. Tifa qui est à l'usine du coup, à la fin du niveau, il a raté, il a dû prendre la barre, petite perte de temps, une animation, Kouchias qui devrait faire la strat normale, le sidestep, on va en haut à gauche du niveau.
Voilà, il va quand même, carrément, il va quand même passer ici pour directement à l'étage. Sidestep, il va faire qu'il a raté. Il s'accroche, donc du coup, il va monter ici et se retourner pour aller directement à l'étage et à gauche ici pour le refaire et prendre la petite rambarde qui a été déprise par Mel West. Il y a une bonne hitbox, faut pas paniquer. Et vous allez voir que du coup, il va terminer dans les 27, c'est 15 secondes de différence quasiment avec Mel West. Donc il a, rien que sur ce niveau, c'est 15 secondes qui ont été rattrapées sur Mel West. Tifa, ça va être à peu près la même, j'imagine. Ouais, c'est ça, on est sur le même ordre d'idées en tout cas pour ce niveau. Bro qui lui est un petit peu derrière pour l'instant. Mais pas de panique, hein, c'était son jeu le plus faible, Bro, hein, puisque à la GF2 il avait fait 26-33, donc il était une bonne minute derrière les autres. Donc pas de panique, c'est tout à fait normal, ça faisait partie du plan. C'est ça, il le savait, de toute façon là il fait pas spécialement une contre-performance, c'est ce à quoi il s'attendait, et il faut pas paniquer, il faut rester sur ce pace là. Après, malgré son erreur de 15 secondes, Mel West par ailleurs fait une bonne run. Mais après Mirror's Edge, typiquement avec le stress, des fois c'est très exigeant niveau input, il suffit qu'on fasse des inputs un tout petit peu trop rapides, on rate, on s'énerve, on est déconcentré, on n'arrive plus à trouver le timing, la bonne position, et on se fait infiniser. Et je pense qu'on a tous vécu ça dans Mirror's Edge, rater 2-3 fois le même truc, qui pourtant sur le papier est facile, ou du moins on n'est pas censé le rater. Allez, pour Tifa du coup, le wall de wall run ici. Donc Bro, Tifa donc au 18e stage, le saut de fin, on se retourne et ça touche. On est à l'atrium pour Mel West, donc toujours en tête évidemment, on rappelle. Hein, l'atrium 1, encore une petite faute de Mel West. Atrium 1, atrium 2 et après il y a l'éclat, donc il ne reste plus que 4 niveaux, c'est le 19e. L'atrium, un des niveaux où on a vu le plus d'accidents, hein. Énormément de wall run et de... Attention, on se reconcentre. Très compliqué où des fois on peut avoir du mal à se rattraper. On se reconcentre. Bon. Car quel que soit notre niveau, c'est vrai que ça peut déconcentrer des petites morts qui d'habitude ne nous arrivent pas. Ça arrive. Là, c'est bien passé. Les wall run, on se retourne. Le 180, on chope ce checkpoint. On se ressaisit. Voilà, parfait. Pendant ce temps, la Tifa, 19e niveau, Brother Main, 18e, Kouchas également au 19e. Donc Mel West a toujours une avance, mais moindre que ce qui aurait été possible. Après, évidemment, les autres font aussi des erreurs, je veux dire, les autres font pas non plus des runs sans erreur, évidemment. On va arriver du coup au numéro 2, donc Brother Main, le 19. Hein. Normalement, c'est un niveau qui pose pas trop de soucis. Faut pas non plus vendre la peau de l'ours parce que typiquement là où il s'est mis Bro, il aurait pu s'accrocher, ne pas pouvoir monter et devoir en fait se décaler avec une animation très très lente, ce qui était vraiment problématique, mais là ça va, il y a échappé. Non, on le voit sur ce niveau, j'ai l'impression qu'il a vraiment du mal à construire sa vitesse en fait. C'est pas évident, surtout qu'on fait des chutes, donc c'est pas trop mal. Allez, on remonte ici. Le wall run et ensuite le saut, le 180, c'est bien passé. On construit sa vitesse ici pour arriver sur cette plateforme bleue. Pendant ce temps-là, l'atrium pour Tifa, l'atrium 2 pour Mel West. Mel West qui va bientôt faire la portion de fin de l'atrium avec le kick, justement pour wall run pas tomber trop. Qui fait peur. Mais finalement, ça va, il en est pas mort. Ça l'a juste ralenti un petit peu. Voilà, donc on peut voir que la différence pile en tout cas entre Mel West et Bro, c'est Atrium 1 plus 2. Ce qui donne à peu près un ordre d'idée quand on connaît la durée du niveau, l'éclat en tout cas pour Mel West. A priori, Tenkel, là, on est sur du presque 100%, il n'y a pas grand chose à rater en tout cas. Mais évidemment, on a déjà vu des accidents, mais on est sur des niveaux normalement moins techniques. Voilà, évidemment, il suffit de le dire hein, pour qu'il y ait des petits accidents. Mais c'est vrai qu'en général, dès qu'on est à l'éclat, on est quand même un peu plus serein. Oh, très belle strat, on la voit très rarement celle-là. Ah, c'est très très beau. Il y a très très longtemps qu'on l'avait pas vu en fait. Ah, il y en a qui parlent de nouvelle strat, il y en a qui ne l'avaient pas vu. Et pourtant, dans la salle, il y a des joueurs qui ont des 25, 26, 27 minutes dans la salle. Effectivement. Ah, c'est dommage, Mel West qui a pas réussi à ressauter de la barre. Voilà, mais cette technique sortie de sa botte secrète compense la petite erreur. Ça la compense complètement. Ouais. Ah, ah, ah. Là, par contre,
Allez, le Wallrun, on s'accroche, on rappelle. Mel Wesca, 994 points pour l'instant à l'issue de 5 épreuves. Il a besoin de Mirror's Edge pour revenir un petit peu sur Tifa, qui est 2 points devant lui. Et Tifa et Kushas, on l'a vu, qui ont commencé le niveau en même temps. Brothermine toujours un petit peu derrière. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de problème à Atrium, je l'ai pas vu tomber, donc voilà. Il a un petit peu de retard, mais tant que ça se creuse pas trop, il est pas trop mal. Ouais, carrément, il est plutôt bien. Allez, le dernier niveau pour Mel West. Là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de raison. On est donc sur du 25, 20, 25, 30, vous voyez, bientôt au niveau real time. Je ne sais pas quelle est la puissance des ordi. Il m'avait l'air d'avoir des temps de chargement relativement courts. Donc, on devrait être à la fin, en tout cas, 26 sur des temps. Pas les meilleurs qui aient pu faire Mel West, mais des temps quand même assez intéressants. C'est vrai que c'est quand même un sacré avantage hein, de les avoir sur les mêmes setups. Au moins là, on peut vraiment savoir que ce qu'on voit au moins est réel, même s'il faudra soustraire les temps de chargement. Au moins, ce sont les mêmes pour tout le monde. Voilà, c'est terminé pour Mel West. Tifak a pris un peu d'avance du coup sur Kushas dans ce niveau. Il arrive dans le dernier niveau avant lui. En tout cas, Mel West a sans doute fait un petit peu moins bien qu'en GF2. Tifa qui attaque le niveau éclat 2. Qui lui, Tifa du coup, avait fait en GF2 26-08 en in-game time. Donc, il ne devrait pas être trop loin quand il aura terminé en tout cas. En tout cas, l'épreuve va être très très courte. Hein. Mirror's Edge, 30 minutes temps capé, on avait été très sévère cette saison. À mon avis, aujourd'hui, on va pas voir beaucoup d'étalons de toute façon. Hein. C'est rare en ultime finale, ça peut arriver dans des contextes très particuliers. Dark Souls peut-être c'est possible, c'est très peu probable. Je vais pas dire que c'est impossible, mais c'est très peu probable. Ce serait un all-in sur le pont qui passe pas, suivi d'un all-in sur le pont qui passe pas, puis pas de chance. Allez Tifa ! C'est fini pour Tifa. Ah, Kushas qui était pas loin derrière. Mais le pire, c'est que Kushas ne va pas construire une avance si importante par rapport à Bro, puisque Kushas vient seulement de terminer. Et normalement, ce qui s'était passé en GF2, c'est que Kushas avait fait un 25-43 et un 26-33, il y avait une minute d'écart. Donc on va voir un petit peu à la fin, mais j'ai l'impression que Bro aura tenu le choc et aura fait un Mirror's Edge, en tout cas, plutôt pas mal. C'est ce que disait Bro tout à l'heure, hein, Mirror's Edge, c'est un point toutes les 18 secondes. Donc c'est quand même avantageux quand c'est son jeu le plus faible, et au contraire quand c'est notre meilleur jeu, ben on peut pas gagner tant de points que ça dessus. Et allez, c'est on applaudit Bro. Alors Twin, qu'est-ce que t'as pensé de cette race Mirror's Edge? Très impressionnante race Mirror's Edge. J'ai l'impression que il y a eu dû avoir du sub 25 pour Mel West, donc ça doit être. Ça dépend du temps de chargement. Voilà, en fait. Mais les temps de chargement étaient courts, mais ça c'était très très proche, en tout cas, de ce qu'il a fait à la grande finale jour 2. Très impressionnante run. Et ouais, ensuite, l'ordre m'a l'air d'avoir respecté ce qu'on a dit. Donc Mel West, Tifa, Kushas, Bro. Mais Bro a bien tenu le choc, Kushas aussi, donc normalement l'écart devrait pas tant se creuser dans ce sens là. On va voir ce que ça donne pour les runners quand on verra le total. Je vois que les temps, comme c'est de l'in-game time, hein, on enlève les temps de chargement qui devraient être identiques pour tout le monde, donc on va voir ce que ça donne exactement. En tout cas, avec la performance de Mel West, on a appris des nouveaux skips pour certains, ce qui est, il est jamais trop tard. Et puis non, ça aurait été vraiment très 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 serré finalement par rapport au PB des joueurs. Bah c'est vrai que pour apprécier en tout cas le temps final, là moi j'ai fait le calcul avec une minute, si c'était effectivement une minute 20 de temps de chargement, on va être sur des temps très très proches, voire peut-être un peu mieux. Mais là, moi l'impression que j'ai eu en tout cas, Twin, pour Mel West, c'est qu'il a globalement mieux joué, mais il a aussi magistralement raté plutôt un ou deux trucs facilement identifiables. Il a bien joué partout et à 2-3 moments, il a patiné sur le niveau office, sur...
sur ce skip qui a eu du mal à passer, où il a perdu 15 secondes et un autre endroit, mais que globalement son niveau de jeu en fait était vraiment pas mal. Donc les scores du coup, Twin. Allez, c'est parti. Ah, on est un peu moins de 9 points d'écart entre le premier et le dernier. On a Brother Main à 226-55, 55 secondes derrière son PB. Ensuite Kouchas à 202 à 26-11, Devoltifa à 203 à 25-59. Et petite échappée de Melouest de 4 points, bravo à lui. 207 points pour un 24-50 qui est sa meilleure performance en race de la saison. Ouais, de très très peu, c'était 24-52 son meilleur. 203 points pour Tifa, 1199, 207 pour Melouest. Ça risque de faire du bien au classement. 1201, oh là là, 200 pour Bro, ça se resserre, 1202, oh là là. Oh là là. 1195, ouais, ça reste, c'est très 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 serré. Allez, on applaudit nos runners. Kouchas, 1195, Tifa, 1199, Melouest, du coup 1201 points. Bro, toujours premier à l'issue de Mirror's Edge, mais talonné par Père Melouest, qui n'est plus qu'un point derrière. Et il nous a dit aussi, Bro, son deuxième jeu sur lequel il était un peu moins confiant, alors que pourtant il a un super PB, mais les autres sont un petit peu meilleurs. C'est Kourine qui démarrera dans quelques instants. Pour l'instant, on peut dire écart réduit, écart de 7 points entre le dernier Kouchas. On a envie de dire qu'il est à la traîne, mais il est que 4 points. Il est à 7 points du premier. Ouais, c'est le paradoxe de l'UF4, ou du moins de la saison 4. C'est de genre à la traîne, mais un faux pas ou un éclat et on est premier, quoi. C'est exactement ça. Il va falloir multiplier tout par 1 million pour qu'on puisse dire 700 000 points d'avance. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que 7 points, c'est très très peu. Kourou, Kourou, Kourine, juste après. C'est un jeu sur lequel, pareil que Mirror's Edge, c'est 1 point toutes les 18 secondes. Gagner 7 points, ça semble très compliqué. Mais pour Tifa et pour Kouchas, ils sont excellents sur le jeu. C'est possible de revenir en un jeu juste maintenant. Et Melouest aussi, hein. Melouest qui a, je crois, qui a le troisième meilleur temps de la saison. Derrière, évidemment, KTH qui a le nouveau record du monde. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, le record a été battu hier. Pendant que vous étiez en train de venir vers l'ultime finale, y en a qui continuaient de grinder chez eux. Et il y a un nouveau record du monde en 13 minutes 07. Et je sais qu'il est là, je crois. Et qu'il peut lever la main, vous pouvez l'applaudir. Et en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, Nekke, mais après Kourourine, en tout cas, Bro, faut qu'il se surpasse. On pourrait avoir un Melouest, du coup, actuellement deuxième, qui passe devant, et bah, avec un Bro vraiment en embuscade, pas très loin derrière. Tifa est normalement assez bon aussi. C'est là plutôt Kouchas. Moi, mes bonnes ondes, je les donne à Kouchas, 1195, parce qu'il faut vraiment qu'il remonte là. Il lui reste 4 jeux. Il faut qu'il gratte 2 points par jeu, un petit peu moins. 2 points par jeu, il est premier à la fin. Ah, ça donc, voilà. Suffirait. C'est possible en plus. On voit le jeu suivant. Kourou, Kourou, Kourourine. Va-t-il gratter 2 points au vu de ses PB, Tenke? Bien moyen, parce que voilà, Melouest, 13-31, 211 points, donc quand même une nette avance hein, sur les autres, puisque Devil Tifa ensuite, il a 207 points avec son 14-41, Brother Main 205 points avec 15-14, et Kouchas 206 points avec 14-55. Donc effectivement, je pense qu'à l'issue de Kourourine, Melouest sera passé devant. Il y a quand même assez peu de chances pour que Brother Main garde son avance de 1 point, ce qui est quand même très très serré. Et le jeu, voilà, 1 point toutes les 18 secondes, donc difficile à gagner. Par contre, c'est très punitif comme jeu, donc les erreurs pourraient coûter très 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 cher. Il va falloir vraiment assurer pour ceux qui ont des points d'avance. Je sais pas ce que c'est en tant que spectateur, mais en tout cas, la saison était très particulière. Mais contrairement à la finale de la saison 2 et de la saison 3, qui avaient elles aussi leur spécificité, mais on est dans une situation où même le dernier peut gagner, ce qui n'était absolument pas le cas de la troisième saison, où c'est vrai que de facto on s'interrogeait plus sur la deuxième place parce que Tifa avait creusé une large avance et il avait caracolé en tête toute la finale. En gros, élu des deux, on avait deux personnes qui se bagarraient et puis après un jeu, un drame et c'était la fin. Globalement, là, c'est vraiment très compliqué. Là, on se sent pas premier avec 7 points d'avance, c'est pas 80 points d'avance où on se dit c'est bon, j'ai de la marge. On se regarde le clip peut-être pendant que les runners se préparent. On se retrouve juste après.
Il s'agit évidemment, vous l'avez vu, du record du monde au début de la saison. Il était par Callum Ball en 14-53. Et bah, bravo à tous ceux qui ont réussi à battre ce temps, parce que c'était quand même un sacré, sacré cap. Et donc bravo en particulier à KTH, encore une fois. Est-ce que nos runners sont prêts? Est-ce qu'ils ont un petit pouce bleu pour nous? Ça a l'air bon, donc ça va être prêt pour se lancer ça. Kourou, kourou, kourourine, ce jeu d'adresse. Tout va bien, c'est bon. Ah, c'est bon, Kouchas, c'est bon. Voilà, prêt. Merci. Je vous aurais lancé ça sans Kouchas, ça aurait été terrible. Alors, Tenke, de quoi ça s'agit? Non, le tuto! Donc, un jeu d'adresse, tu le disais, où on contrôle un hélicoptère piloté par un oiseau. Et qu'est-ce qui vient de se passer pour Tifa, là, juste pour ceux qui ne connaissent pas la run? Tifa qui a lancé le tuto, justement, voilà, la foule le réclamait, et en tant que champion, alors... il n'a pas pu se retenir, il a fait « d'accord, je vous le donne ». Puis finalement, il s'est dit « bon, c'était pas une bonne idée ». Allez, c'est un jeu qui va très très vite, donc on conduit 7 hélicoptères, il faut juste ne pas toucher les bords. Le principe est très très simple, mais l'exécution est ô combien compliquée. Au début, on est sur des pistes vraiment très très faciles d'accès, mais quand on essaye voilà, d'abuser au plus possible de ces cycles, ça on prend énormément de risques. Rappelons que la barre tourne et on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas juste maîtriser sa vitesse de déplacement. Ou Tifa qui meurt, faut bien vite se remettre dedans. C'est un jeu d'adresse et c'est très très précis en général. On est découpé en des mondes de 3 niveaux, 10 mondes de 3 niveaux. Vous voyez l'environnement qui change de couleur, ça marque la progression des joueurs. Les premiers niveaux qui durent comme ça une vingtaine de secondes, donc si on meurt c'est juste un point, quand il y a 7 points entre le dernier et le premier c'est quand même beaucoup, mais c'est pas catastrophique. Plus tard les niveaux peuvent aller jusqu'à 1 minute 30 environ, et là ce serait vraiment, vraiment très très grave de mourir, hein. Ils ont tous 3 cœurs et tu le disais, ils vont essayer d'abuser de ces points de vie pour ralentir en fait la rotation de leur vaisseau, en abuser et passer un petit peu plus vite. Voilà, donc si vous regardez, Melwest était dans une sens de rotation différent de Kouchas, et donc Kouchas a dû aller taper ce ressort qui inverse la rotation et perdre de précieuses secondes. Les cœurs au sol vous redonnent tout votre vie, mais ne sont pas des checkpoints, donc si vous mourrez, vous recommencez évidemment au tout début du niveau, donc c'est très très punitif, faut faire très attention, et c'est un jeu particulièrement stressant qui demande beaucoup de concentration. Bah c'est ça, parce que concrètement quand on commence le niveau on a 3 cœurs, donc on a 3 niveaux de vitesse, la vitesse de base, si on utilise un bouton on va un petit peu plus vite, avec les deux boutons encore plus vite. Donc au tout début du niveau on a ces 3 cœurs, on est assez serein, et puis on va faire le premier damage boost, on tombe à 2 cœurs, mais bon là faut faire un petit peu attention, puis le deuxième, on a plus qu'un cœur, et là on sait que jusqu'à la fin du niveau il faut être très très safe. Mais l'Ouest qui a eu des petits accidents, mais pour l'instant ça va très bien. La prise de risque est assez flagrante. On le voit, hein, à chaque fois qu'il touche les murs comme ça pour aller le plus vite possible, ça fait un petit peu froid dans le dos, mais ouais, très très bien exécuté, sans s'arrêter pour Melwest. On est juste derrière pour Brothermain et Kouchas, qui fait un petit niveau de retard à cause de sa déconvenue du début de run. Qui s'est fait toucher une fois de trop, il était donc plus dans le bon cycle. Est-ce que Melwest qui trace vraiment. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, hein. C'est le speedrun. Mais ça passe très très bien, très, très sans bon. Se faire toucher ici, sur cette fin de niveau. Et donc, on progresse. Encore rien de dégâts, mais c'est bon, il est passé. Cakeland, donc cet environnement où on commence à être un petit peu plus compliqué, hein, dans sa structure, dans son level design, avec souvent beaucoup de chemins, voilà, ces petits couloirs étroits dans lesquels il faut se glisser. Et puis de moins en moins de zones safe, hein, donc ces points au sol que vous voyez, c'est vraiment des endroits sur lesquels vous pouvez vous caler et vous n'allez pas mourir, pas toucher les murs, il y en a de moins en moins. Ça disparaît. Kouchas qui est mort. Effectivement, attention, il se fait rattraper par Brothermain ici, mais Melwest qui commence à prendre de l'avance. C'est là-dessus qui compte de toute façon, Melwest, hein, pour repasser à la première place. Un jeu où c'est vraiment difficile d'improviser, parce que tout fonctionne un peu sur un système de cycle. Donc si jamais on se prend un dégât qu'on n'avait pas prévu, le vaisseau tourne plus forcément dans le bon sens,
pas au bon rythme, mais après on peut vite enchaîner les dégâts. La gestion de la rotation de la barre hein, qui est très très précise, et la gestion des rebonds sur ses ressorts ou contre les murs quand c'est volontaire peut être vraiment c'est délicate. Et là on voit OMLW souvent qui tape deux fois sur ses ressorts pour vraiment accélérer au maximum ses rotations, et là sans s'arrêter, c'est très très bien. Jusque là ça se passe parfaitement. La courbe de difficulté va s'accentuer sur la fin de la run, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est vrai que le jeu est quand même accessible. Attention à pas trop toucher. Mais les points de soins sont nombreux néanmoins. Ah, c'est Cakeland, c'est là où on commence à avoir quelques skips vraiment, vraiment compliqués. Et alors ensuite, dans tous les niveaux, ça va juste être la folie. Des moyens volants de se coincer comme ça dans les couloirs, un petit peu partout. L'ouest ici, on va taper pour passer. Oh, c'est fait. Et donc on attaque Caveland. On va commencer à avoir des strats très agressives ici sur ces niveaux. On a de plus en plus d'obstacles et de ressorts en couchasse ouais, qui meurt. Attention à pas trop se faire distancer. Pour l'instant les caves ici sur ce cave 2. On va attaquer les enfers de ressorts, t'inquiète. C'est un niveau assez particulier dans lesquels on doit gérer tous les rebonds. Voilà, mais l'OS qui a passé tout le couloir, il voulait pas s'embêter. Ah là c'est dommage, voilà, il va falloir avoir le bon cycle par rapport à ces cubes. Mais il est bien passé, par contre il a plus qu'un cœur. Non, non, il a pas réussi à se faufiler entre les deux ressorts et à réaligner en fait. Voilà. Ça c'est vrai, on l'avait pas vu encore, hein, mais on peut faire start à tout moment et recommencer le niveau. Et il vaut mieux faire ça quand on prend un dégât trop tôt et qu'on sait que le niveau comme là est un petit peu compliqué, qu'on risque de se prendre des dégâts non voulus. Il vaut mieux recommencer tout de suite plutôt que de reperdre 50 secondes. Donc il y a Deultifa qui rattrape Kouchas à cave 1. Brotherman est juste devant eux et Melwest a un petit peu d'avance et il complète le niveau maintenant. Ça s'est passé beaucoup mieux. Brotherman qui est juste derrière. Brotherman est juste au même endroit. Qui passe lui aussi. Allez, cave 3 côté Melwest et Brotherman. Kouchas pour l'enfer des ressorts. Ici, il faut pas trop taper. Attention. On s'installe. Oh, le boulet qui emporte sa barre. Le boulet qui l'a bloqué pile entre la barre et le petit carré là qui tenait les ressorts. Ouh, Tifak est un petit peu en difficulté. Voilà, il faut réussir à se réaligner. Ces 4 cœurs sont quasiment un mensonge de temps en temps. Quand on se fait bloquer comme ça, ils se font volatiliser. Il y a plein d'occasions comme ça où en fait on se fait juste atomiser. Ouh, Melwest. Attention à pas trop toucher. Si vous voulez faire, mais là c'est bon, il est à la fin du niveau, c'est tranquille. On attaque deux mondes avec des niveaux très très courts, donc les niveaux des nuages et des étoiles, Cloudland et Starland, qui sont beaucoup plus basés sur la précision. On est obligé d'attendre un cycle de plus. Voilà, on est obligé d'attendre, on voit qu'on perd du temps. Il s'est fait un petit peu peur, mais ça va. Donc on va arriver aussi, les rejoindre pour Tifa. Et Cloudland 3 pour Melwest avec un skip terrible. Est-ce qu'il va le réussir ? Non, non, on le retente. On le recommence chez Melwest. Il fait gagner tellement de temps. Non plus. Un skip qui veut gagner tellement de temps que on le retente. En général, les runners le retentent au moins deux ou trois fois. Il y a Brotherman qui arrive, c'est serré entre les deux. Allez, allez. Oh oui, oh, c'est passé, ouais. Le pause buffer. Le pause buffer qui permet de passer. Le pause buffer qui lui permet voilà, de se rendre compte que c'était passé. Voilà, on repasse en dessous. Est-ce qu'il fait le second aussi ? Voilà, un petit peu plus simple. Celui-là, la c'est fin, beau. Le double skip. Et là, il est déjà passe dans le bon sens. Il peut aller direct à la fin. Tifa pour le skip, lui aussi. Ah, Broké un peu derrière. Est-ce qu'il... Voilà, il le tente aussi. Il le réussit. C'est nickel. Voilà. Ouh, attention. Il fait un petit peu peur, mais c'est bon. Les écarts se resserrent dans cette race. On va bientôt arriver en plus au niveau les plus décisifs. Après les 100% qui sont pas passés là. Ouh, Tifa qui meurt dans Starland 1. Attention à la perte de temps. Kouchas qui ne tente pas le skip de Cloudland 3. Et les ressorts chez Melwest. Attention à cet endroit, on peut perdre un petit peu de temps. Non, ça passe très très bien.
Ouais, ici, il faut réussir à se faufiler entre les deux ressorts, sinon on doit faire tout un détour par la droite. Des niveaux qui sont compliqués à gérer parce que même si les ressorts voilà, ont l'air de... On peut passer à travers dans un sens, on peut vraiment pas les forcer dans l'autre. C'est très très bien chez Brother Main. Et c'est bon. Et Melwest qui attaque Iceland, des niveaux très longs et labyrinthiques. En speedrun, on connaît déjà la route. Brother Main lui aussi fait ça. Tifa, ça passe très très bien. Oh, c'est beau. Et Kusha, c'est vraiment juste derrière eux. Hein, se font talonner. Allez, Melwest pour Iceland. Donc voilà, c'est des niveaux hein, qui durent une minute. Là, la mort est extrêmement punitive. Les runners vont en général plus prendre leur temps. C'est plus des épreuves d'endurance que de précision. Et puis là, les couloirs commencent vraiment à se resserrer sur les fins de niveau. Il y a vraiment des passages super compliqués. On va essayer d'éviter aussi hein, ces petits oiseaux que l'on doit sauver, mais qui font perdre du temps, les malheureux. C'est comme les animaux de Super Metroid, on les sauve pas. Et voilà. Attention aux luttes ancestrales que ces phrases peuvent réveiller. Ça se passe très très bien, bien. L'exécution de Melwest est irréprochable. C'est bien passé, allez, ouais, c'est parfait. C'est bon. Là, il arrive à la fin, normalement, il n'y a plus trop de problèmes ici. On évite les ressorts, on a directement la bonne rotation. Très 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 bien. Brother Main vraiment juste derrière Melwest. On voit les moments où il faut temporiser de toute façon dans ce jeu. Ça, c'est une des plus grosses difficultés du jeu, je trouve, à haut niveau, c'est de réussir à lire en fait le cycle. Ouh, le double hit, un peu stressant, ça c'est pas grave. La fin devrait bien aller. Voilà. Et Tifa qui arrive aussi. C'est très 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 serré entre Tifa, Kushas et Brother Main. Melwest a un petit peu d'avance. Melwest qui a vraiment pas eu un bon cycle, là il s'est fait toucher deux fois, heureusement il y avait le soin juste après. Et là, il a pu passer bien. Ça passe. Oh, attention. Ouh, là, il va Melwest en difficulté. C'est un niveau très difficile. Je crois que... Non, c'est bon, il avait évité le deuxième. Ok, le checkpoint, enfin, le soin. Ah, il joue vraiment très safe, Melwest. Et là, il va falloir te toucher. C'est parfait. Brother Main pour la même chose. Obligé de jouer un peu safe quand on a plus de points de vie. Et là, il faut très très bien connaître le cycle. Ah, voilà, c'est bien. Ouh, oh, ce damage boost, c'est beau. Pour ralentir un petit peu la rotation du vaisseau. Ouh, oh là là, Brother Main, très très attention. Agressif. Attention, alors là, il faut surtout pas, voilà, trop poser. Tifa, on voit là, c'est le niveau est monté d'un cran en termes d'intensité quand même. Et ça passe très très bien. Tout va se jouer sur les derniers niveaux. Melwest qui passe bien. Et donc Melwest va commencer le dernier monde. Donc Brother Main, Devil Tifa et Kushas le rattrape sereinement. Ah, Kushas qui avait pas confiance, il a préféré attendre un petit peu. On temporise un petit peu. On l'a dit, il vaut mieux jouer safe ici que mourir. Tout à fait. S'il perd 10 secondes là, il perd même pas un point. Par contre, s'il meurt, il en perd 3. Attention, la gestion, voilà. C'est bon. Il fallait voir l'écart, c'est bien passé pour Kushas. Ouh, Melwest qui est super agressif. Oh là là, cette fin de niveau. Un Brother Main juste derrière Melwest. Tifa qui passe. Oh, oh là là. Le cycle qui a été un petit peu traître pour Bro, mais il y un avait peu le pif. Oh non. Oh non, par contre, il allait trop vite. La perte de temps là, par contre, attention. Melwest va s'envoler sur ce Kururin. Ouh, Tifa qui s'est fait peur. Oh. Ouais, même endroit. Attention, ici, Bro qui s'était fait piéger. Très agressif, Tifa là. Ça passe très très bien. On est à la fin du niveau. Allez, il est bien. Oh, c'est beau. C'est très 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 bien exécuté. Melwest sur l'avant-dernier niveau du jeu. Oh, le qui ose le damage boost ici. Allez, allez. Attention à ce passage qui a vu tant de runs mourir. Il est bon. Ouais, il a très bien temporisé, c'est beau. Melwest qui arrive au dernier niveau en premier.
C'est vrai qu'on est en sub 15 space. C'est très tendu la fin de ce speedrun quand même. En plus ça ose tout. Tifak a pas forcément eu un début de run facile, obligé un petit peu d'être agressif. Ah oui, il a un bon cycle là. Attention, ah, c'est boulet. Bon. Obligé d'y aller. Ouh, on l'a tous vu mourir ici. Attention, les ressorts qui permettent de temporiser. Oh oui, il a pu passer d'un coup. Allez. Mel West est à la fin. Il est obligé d'attendre. Non, il attend même de pas. La run. Mel West un petit peu en difficulté, tout à la fin. Allez, Mel West. Oh, le boulet de canon qui est sur son chemin. Mel West temporise. Mais c'est bon. Et c'est fait. Et fini. Mel West en sub 15. Tifa sur le dernier niveau. Brotherman qui va y arriver aussi. Brotherman qui arrive au dernier niveau. Sur la fin du niveau. Kouchas qui va y arriver. Non, Kouchas, attention. Et Tifa sur ses passages. Ils aiment bien les motifs comme ça avec des boulets qui se croisent. C'est assez terrible. Ouh. Allez. Oh, oh, c'est passé. Oui. Ça a joué très agressif pour pouvoir assurer d'avoir le bon cycle sur la dernière partie du niveau. Tifa qui devrait être bien. Faut y aller tranquillement, ah, temporiser ici. C'est bon. Mais c'est bon. C'est fait. Brotherman qui va jouer safe. Non. Attention, Brotherman qui repasse dernier de cette race. Kouchas. Allez. Il faut réussir à passer. Ces passages sont visuellement de toute façon très impressionnants. Ah, il va tenter. Obligé. Il va tenter de passer. Allez. Est-ce qu'il fait comme Tifa? Oui. Oh oui, c'est bon, ça passe. Bon. Sans même toucher, c'est parfait. Attention. Oh non. Oh non. Non, non. C'est terrible. Brotherman sur le même passage. Ah, donc ici l'enjeu, c'est de double toucher ce ressort. Ah, il a tous ses points de vie. On y va. Il peut le faire. Petit c'est dégâts. Bon. Et maintenant, faut juste assurer jusqu'à la fin. Là, il y a tellement d'endroits où il faut temporiser. On se fait tirer dessus par ces méchants canons. Voilà. On y va. Il faut se passer. C'est bon. Ah, c'est bon. Allez, qui revient là, il a le bon cycle en plus. On touche deux fois ce passage qui passe très très bien. C'était juste après là qu'il y a eu un petit accrochage. On est bon, on temporise sur la passive violette. Ça devrait être bon. On se glisse, c'est fait, fait. Bravo Kouchas. CDV, que t'inspire cette race Kourou Kourou Kourouin? Eh ben, je pense que ça va être une race assez décisive, car là les points, les places vont pas mal être bousculées, parce que la Mel West qui était deuxième à 1201 points, on n'a pas encore le résultat, mais a de grandes chances de caracoler en tête à l'issue de Kourouin. Bro qui du coup va évidemment perdre quelques places, parce qu'il va perdre suffisamment de places, être en tout cas rattrapé par Tifa, mais peut-être pas suffisamment en tout cas pour être dépassé. Et c'est Kouchas par contre en difficulté, la difficulté s'accumule pour l'instant, mais il reste trois jeux décisifs, donc voilà, de toute façon dans tous les cas, quel que soit le résultat, Kourouin c'est toujours agréable à regarder, enfin... Ouais. Chaque mort, c'est un jeu qui, on le voit bien quand on a les réactions des spectateurs, c'est que chaque chose réussie, on termine un niveau, c'est « Ouais !» Enfin, il y a vraiment un cri de victoire. Et puis quand on rate un skip et tout ça, c'est pareil, il y a des émotions très très fortes qu'on ressent. Et le jeu parle visuellement tout seul, de toute façon, de lui-même, parce que les obstacles sont très très visibles et chaque petit hit, chaque mort, chaque victoire sont vraiment visuellement très bien identifiés. Donc ça s'est vu, le travail fourni par ces runners pour en arriver là est vraiment impressionnant. Le temps, le sub 15 là, de Mel West bat le record du monde de l'époque. Donc heureusement que l'UD est arrivé là pour un petit peu relever le niveau quand même sur ce jeu
Parce qu'il manquait de compétition, Kalumbal. Kalumbal, c'est un runner qui aime beaucoup les jeux type format UD quand même, assez court, assez intense. Et il est motivé par la compétition. Donc bravo à tous ceux qui se sont accrochés sur cette catégorie, sur ce speedrun, qui ont motivé un petit peu. Alors le résultat de la race, Tenke. Alors on a donc Kouchas qui est arrivé quatrième, 198 points et un 17 minutes 23. Brothermain qui a fait les 200 points, 16 minutes 58. Devil Tifa les 204 points, 15 minutes 48. Et Mel West avec son 14,55, 206 points. Ben c'est très 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 beau en tout cas pour certains. Ils ont battu le temps qu'ils avaient fait en GF2. Mm-hmm. Et vous allez voir l'impact du coup, 204 pour Tifa. Il arrive à 1403, Mel West 207. Il arrive à 1400. Ah, d'accord, il y a une petite erreur de score. 1408, 1402 pour Bro. Ouh. Alors, il y a une erreur de saisie. Allez! Alors, par contre, il y a peut-être une erreur de saisie. D'accord, donc c'est ça, donc 1407 hein, pour Mel West. Bah c'est ça, on prend son timer s'il a... Oui d'accord, mais bah, c'est le timer qu'il a soumis qui fait fois, 1407 du coup. Du coup, 1393 du coup pour Kouchas qui est 4ème, Brothermain 1402 qui chute de place. Là je crois... Tenke, c'est la première fois depuis peut-être le début du tournoi qu'ils sont pile dans l'ordre du classement du championnat. Ah c'est vrai, oui, depuis tout à l'heure ça faisait le yo-yo, voilà, ils inversaient sans arrêt leur place. Voilà, là, l'écart se creuse un petit peu hein, entre le premier Mel West et Kouchas, dernier avec un écart de 14 points. Mais par contre, Tifa seulement 4 points derrière, Brothermain 1 point tout juste derrière. Donc là pour l'instant rien n'est joué hein, pour ces trois joueurs. Et Kouchas par contre, il le savait hein. Il avait dit, mais Mirror's Edge et Kourouin, ça allait être un petit peu compliqué pour lui. Mais il était plus confiant sur les jeux suivants. Donc là, il va vraiment falloir une grosse performance pour bien remonter. Après, Twin, Bro, lui, le jeu qui l'avait un petit peu mis en difficulté lors de la GF2, c'était Sheep and Dale. Et avec s'il fait une performance plus standard par rapport à ce qu'il est capable de faire, il peut largement maintenir, en tout cas, puis après, confirmer peut-être sur les deux autres jeux. Parce que là, donc, Mel West a 4 points d'avance sur Tifa et donc 5 points d'avance sur Bro. Sur Sheep and Dale, je pense que c'est une avance difficile à rattraper sur seulement ce jeu, tellement nos joueurs sont réguliers, j'ai l'impression. C'est sûr, oui. Sheep and Dale, ça va être très très compliqué de rattraper beaucoup de points. Hein, si ce jeu de plateforme sur NES, très court et très intense, mais les accidents restent rares en fin de saison sur ce jeu. Donc là, on peut pas forcément tout rattraper, mais il faut réussir au moins à pas creuser, pas se faire encore plus submerger par Mel West, là, qui fait un début de deuxième partie très 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 fort avec voilà, 207 sur Mirror's Edge, 206 sur Kourouin. Donc là, il faut faire attention à pas se faire submerger par Mel West. Les points peuvent s'accumuler encore. Heureusement, il reste 3 jeux et non des moindres, hein, Sheep and Dale, Dark Souls et Mega Man 2. Alors les PB du coup t'inquiète sur Sheep and Dale. Donc on a Devil Tifak à 203 points avec un 10 minutes 12. Mel West qui est 2 secondes plus rapide avec un 10-10 et 203 points lui aussi. Brothermain qui a 1 point de moins avec son 10 minutes 18. Et Kouchas qui a tout juste les 200 points avec son 10 minutes 30. En tout cas, si on regarde également par rapport à Sheep and Dale, les scores qui avaient été faits en GF2, Tifa avait fait 10-24, tout comme Mel West d'ailleurs. 11-6 par Bro, c'était un peu le jeu qui l'avait un petit peu affaibli. On voit que déjà 11-6, c'est déjà pas mal, mais en ultime finale, évidemment, ce serait tragique. Et 10-30 pour Kouchas, donc hormis le petit accident de Bro, c'était vraiment un mouchoir de poche. Et puis pareil, par rapport aux meilleurs résultats qu'on a pu voir en race, c'était à peu près ce que ça atteste. La plupart du temps, quand ça marche bien, ils sont entre 10-20 et 10-30, donc maximum 1 ou 2 points d'écart. On rappelle hein, que le record du monde étant 9-56, c'est le meilleur temps de l'UD, est fait par Zugman en 10-04. On n'a pas croisé Zugman, ou alors il était fort discret. Non. Il n'a pas l'air d'être là, non. En tout cas, pendant que nos runners se préparent, on va regarder le clip de Sheep and Dale et la race débutera juste après. <t'en>
En tout cas, là, c'est vrai que je regarde par rapport à ces trois jeux qui arrivent là. Melwest, c'est vrai, effectivement, très très chaud sur cette deuxième partie de journée, car si je regarde son meilleur décathlon sur ses cinq jeux suivants, c'est 1014. Et or, on sait qu'il peut y avoir des accidents sur Dark Souls, mais il est devant pour l'instant son meilleur deuxième partie de Pinta. Donc là, très très chaud, Melwest, j'ai l'impression. Nos runners sont-ils prêts? On a Tifa qui est prêt, il pousse son Abro qui est prêt. On a Kusha, si on attend Melwest du coup, qui lève qui finalement prêt. Le pouce après avoir pris sa respiration. Nous allons pouvoir faire le décompte avec vous. 5, 4, 3, 2, 1, go ! Et c'est parti. Voilà, deux personnages. Il y en a un qui a un chapeau, mais ce sont les mêmes par ailleurs. Premier niveau Tenkei qui est très long et punitif, qui est loin d'être le niveau le plus simple du jeu. Non, c'est ça, voilà le niveau là, rien que là, cette montée d'échelle, hein, on l'a vu dans le clip, ça avait l'air très simple, mais en fait on peut vite tomber en essayant d'aller un tout petit peu trop vite. Voilà, là ils récupèrent tous dans la caisse l'invulnérabilité. Allez, donc on rappelle, on a un nuancier de saut, on a un bouton pour prendre les caisses. Alors c'est surtout les caisses, on va rarement s'en servir, on peut vaincre les ennemis, se cacher, très rare. Bonne manipulation, bon positionnement pour Tifa, il y a deux damage boost aussi dans ce début de speedrun, le premier est réussi. Le deuxième également, ça joue très agressif du coup avec tous les damage boost. Tenkei, c'est vraiment la barre de vie, c'est un peu à la cour. Non ! Oh non ! Ah non, là 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 ! La guêpe ! Parce que il y a évidemment, voilà, c'est un jeunesse, donc il y a pas vraiment de RNG, on va dire que tout est conditionné par nos mouvements et nos inputs exactement, mais parfois, on fait à peu près la même chose, mais on n'est jamais à la frame près réellement. Et allez. Puis voilà, Brothermane qui a fait pop une guêpe qu'on ne voit quasiment jamais. Elle était en plus inesquivable, hein, là, elle lui a littéralement pop dessus. Et du coup, on le voit, hein, pas de checkpoint, obligé de recommencer tout le niveau. C'est surtout psychologiquement le premier niveau, il est compliqué, ouais. Il est long. Il est long, ouais. Et faut se reconcentrer. C'est ça, parce qu'après les niveaux vont être plus découpés en plusieurs tableaux et voilà, les checkpoints sont un petit peu plus fréquents. Allez, et là, toute cette partie est quand même très très longue avant de voir un checkpoint. Tifa, on rappelle, il est vraiment très très régulier sur le jeu, il fait partie de ses joueurs. Il me semble qu'il était... il était tombé contre Zugman dans le tournoi éliminatoire, donc il s'était fait éliminer assez vite. Malheureusement, effectivement, allez, les petits tudos, les abeilles du coup, un des moments les plus... Ouais. Périlleux de la run, car justement il faut faire des bonnes inputs pour les faire popper à la bonne hauteur, comme c'est fait le petit saut ici, et surtout la deuxième série de marmites. Ouais, c'est ça, tout le monde a à peu près son petit setup 100%, et puis des fois les mouches sont là, mais c'est bon pour Tifa. Du côté de Melwest, ça a l'air... non, il s'est fait toucher, mais il a réussi à retomber sur le bouton, donc pas de problème. Allez. C'est cool, ce qui arrive aussi. Dans ce jeu en scrolling, on va essayer de jamais s'arrêter, hein, vraiment au minimum. Ouh ! Il est tombé, Kouchas, non ? Kouchas qui est tombé dans un des pots. Ah, le boss. Le checkpoint boss, était juste avant, c'est pas le trop grave. Le boss le plus RNG. On va prier. Repris une mouche, Kouchas. On va prier pour Melwest. Ah, un sale boss. Un boss très très moche pour Melwest. Un boss très 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 moche. Oh là là ! Impossible de faire des doubles. Ah là là, il a été full en haut. Impossible de faire des double hits pour Melwest. Kouchas qui a raté un hit par contre sur le boss, avec un bon pattern, c'est dommage. Et le double hit pour Kouchas là, réussi. Encore un, allez. Et voilà. C'est bon. Allez. Changement de décision, très très bizarre l'itinéraire qu'a pris Tifa là. En général, on choisit avant, il a hésité et finalement il est passé dessous. Il y aura quelques damage boost également. Certains sont dangereux dans ce niveau, donc je ne sais pas si certains damage boost vont être faits. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'occasions de se faire toucher là par ces boulets qui tombent. Voilà, c'est ici. Alors le damage boost. Il va le tenter, il le tente et il le réussit. Et là ! Ah, Melwest, et Melwest le fait pas. Mais je pense que Melwest a raison, il a de l'avance maintenant au tournoi. Melwest qui a 1407 points. Même à raison d'un point toutes les 6 secondes, je pense que là faut qu'il limite les dégâts, quoi. C'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quand on est premier, on ne peut que se faire rattraper. Donc jouer safe, forcément, c'est aussi limiter le nombre de points qu'on peut gagner.
Mais il faut surtout limiter la casse, à mon avis, pour Mel West. Ah, c'est dommage, il a pas raté. C'est ah, bon. C'est dommage. Mais bien Mel joué, ça. Tu repasses donc devant Mel West. Attends, Clément, ça va être terminé du coup avec ce ballon Allez. Envoyé. Ah non, ah, il a pas réussi. Non, il est en dehors. Il a un ballon trop et bas. C'est bon. Brotherman qui arrive au niveau du damage boost, il ne l'a pas fait. Et Kouchas qui commence. Oh, oh là là. Le boss, il a eu du mal à récupérer le ballon. Il l'envoie un petit peu trop haut. Allez, on se reconcentre. Oh. Allez. Et c'est bon. On est sur, j'ai l'impression, entre le pas de chance et un peu moins de réussite. On va être sur des temps un petit peu moins bons qu'en GF2 pour nos runners, je pense. Un niveau à la GF2, ouais, effectivement, où il y avait eu des chutes. Un niveau où il faut vraiment pas improviser. Faut activer le scrolling comme on en a l'habitude, sinon les plateformes apparaissent pas au même moment. Ok, contre le robot, il a raté un hit, le ballon trop bas. C'est terminé. Tifa qui termine le niveau, Mel West qui va bientôt terminer le niveau vertical. Il est suivi par Kouchas qui arrive au niveau vertical. Et Bro qui commence la portion juste avant. Donc il y a ces petit écart quand même. Le casino, un niveau, il y a beaucoup de tableaux dans ce monde. Mais le boss est gratuit. Un niveau où il y a des petits damage boost un petit peu risqués. Un petit glitch qu'on va utiliser pour faire disparaître des éléments du décor juste à la fin pour gagner les quelques frames que prend l'animation de où on soulève un objet et où on le lance. Le damage voilà, boost, ah, raté, le damage boost pour raté pour Tifa, c'est dommage. Alors faire attention parce que quand on n'est pas positionné comme d'habitude, on peut être surpris par le positionnement. Ah, et du coup, il a tué la guêpe. Et donc il va devoir soulever les deux bombes. Damage boost réussi par Mel West. Attention. Et on va voir Mel West voilà, qui envoie la caisse vers le haut, qui tue cet insecte. Et là, il n'y aura qu'une seule bombe. Allez, on arrive au niveau G, donc le casino pour Bro. Beaucoup de parkour, hein, faut vraiment apprendre parkour, le platforming. Le lanceur et de croquettes le... Oh, oh là là. Oh non, il s'est fait toucher. Que se passe-t-il? Faut se placer. C'est bon, voilà. Il a stunlock, tout va bien. Allez, Mel West qui est bien placé. Mel West a bien rattrapé Tifa sur ce terrain. Et c'est bon. On voit que nos runners quand même prennent une vie, ça consomme pas de temps. Enfin... C'est vrai qu'il y en a qui le font pas. Je me souviens au début du Pinta, il y a des runners qui disaient non, je le fais pas. Je me souviens de Mylène notamment qui prenait pas les vies. Allez, Kouchas, le chat est vaincu. Allez, Brock a un point de vue, faut faire, voilà, on saute pour activer cette guêpe. La deuxième qui a été un petit peu traître, mais il l'a esquivé. Alors que Tifa, on est au niveau, un des niveaux les plus retors, les plus longs, les plus punitifs, les égouts. Les égouts du coup pour Tifa. Non ! Oh là là. Bon, heureusement, on reprend série. Tout de suite sur le boss. Tifa toujours en avance ici. Il y a des lancers de caisse un peu périlleux à la fin. Attention. Oh, on joue safe chez Tifa, on n'a pas envie de perdre. Le petit damage le boost. Le damage ici. Boost Ah, Mel West qui se cache dans la caisse. C'est beaucoup plus safe. Allez. Attention, Mel West du coup, on rappelle 1407 points. Tifa 1403, Bro 1402 qui est en difficulté. Il va peut-être même se faire rattraper par Kouchas sur ce jeu. Pourtant, Kouchas qui est à 1393, soit 9 points derrière Bro. Ouh. Attention, niveau H pour Bro. Kouchas qui va terminer le niveau des égouts. Alors par contre, le niveau que fait Tifa là, par contre, est avec les gros pélicans et les ventilateurs est assez facile pour le coup. Il arrive tard dans le jeu, Tenke, mais il est quand même assez gratuit. C'est ça, il est plus un petit peu agaçant parce que voilà, on peut pas avancer aussi vite qu'on voudrait, on est obligé d'attendre. On le voit, hein, on est ralenti par les ventilateurs. Et puis il faut bien lancer les caisses sur les pélicans si on les lance. Dans leur bec, ils les absorbent et ça pourrait être assez pénalisant, mais c'est clairement pas très difficile. Le tableau suivant, par contre, il peut y avoir beaucoup d'accidents. Allez, c'est très très lent. Ça va bientôt être terminé pour Bro, pour les égouts. Allez, Bro, on encourage Bro. Pendant ce temps-là, on a l'invulnérabilité dans cette deuxième partie de niveau, le rendant gratuit. Par contre, le boss assez décisif, Tenke, il faudra du coup essayer de réussir à le vaincre de manière rapide en optimisant ses cycles. C'est ça, la grande finale 2, je crois que personne n'avait réussi à le faire en deux cycles. Voilà. Il y en a un, ça fait quand même gagner des secondes. C'est raté. Ah, c'est dommage.
Voilà. Melwes qui arrive dessus. Ah, c'est re-raté. C'est-à-dire que Melwes pourrait presque rattraper quand même pas mal Tifa. Ah, je crois qu'il a raté. Encore raté, les deux. Ah bon, bah les deux. C'est terrible. Boss qui pose problème quand on s'est pas vraiment entraîné dessus à la safe state veille finalement. Mais allez, Kouchas, il va le réussir pour rattraper du temps. Il a du retard pour l'instant, il a besoin de ses points. C'est bon, le troisième hit. Et de 4, et le fast kill. Alors, le niveau de fin avec une première portion de tableau vraiment facile et une deuxième partie très difficile. Le dégât. Tifa qui a pris un dégât là. Il va pas faire de damage boost peut-être, du coup. On va pas prendre de risque peut-être. C'est trop dangereux. D'habitude, il en fait un. Il va peut-être faire le dernier quand même. Il va le faire. Voilà, on c'est bon. Le chapeau et c'est bon. On va pouvoir reprendre sa vie de toute manière. Bro, qui a aussi raté du coup, mais qui vient de vaincre le boss, mais qui a pas fait le fast kill. On arrive à la fin. Le couloir de la mort, t'inquiète, un passage vraiment décisif. Faut pas le rater. Voilà, on envoie la caisse. Non, voilà, damage boost sur le premier. Ouais, on essaie de tuer le chien. Voilà. Et c'est bon, il a pas eu le temps de tirer. Et surtout, il a 2 PV. Et quand on combat le boss à la fin, c'est un boss qui est pas difficile, mais c'est très dur de le battre avec un seul cœur. Donc, avec 2 cœurs, on est plutôt serein. Le safe spot. C'est beau. Et c'est beau. Ah, des super réflexes de Tifa là, qui a réussi à essayer les deux attaques du boss. Et Melwes, non. Ah là là, Melwes. Et du coup, cette fois-ci, il a 3 cœurs. Il s'est mis dedans. Allez, non. Ah, ça s'énerve un peu là. Non, il arrive pas à le toucher. Voilà. Et pendant ce temps-là, Kouchas qui avait fini lui aussi. En fait, Kouchas qui a fini juste avant Melwes, peut-être en même temps. Et il reste que Bro. Allez, on se concentre, le couloir. Allez. On aimerait bien arriver serein avec 2 cœurs. Ça va être compliqué. Ça veut dire. Le combat est difficile à 1 cœur. Déjà, faut pas mourir à la fin avec ses petits ralentissements. Oh. Et là. Allez. Le safe spot. Allez, le dernier, et c'est bon. Allez. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette race, Twin? Et malheureusement, la même chose que tout le monde en voyant Bro mourir au début. Après, un peu surpris, pas mal d'accidents à droite à gauche de ci de là. Le jeu était beaucoup plus mouvementé qu'on l'avait vu dans certaines races. Pour autant, les résultats étaient excellents pour tout le monde. Il y a eu voilà des petits retards pour les morts sur le boss de fin, les safe spots un petit peu vagues, mais non, c'est vraiment une très belle race, une belle performance de Tifa qui je me demande ce que ça va faire sur le classement parce que c'est un jeu assez punitif quand même à 1 point toutes les 6 secondes. Bah là, ah oui. A priori, c'est vrai que Tifa avec sa perf risque de revenir sur Melwes qui a un peu patiné sur le boss. Il avait fait une bonne run par ailleurs, mais le boss, j'ai vraiment l'impression. On a senti la panique, j'ai l'impression, Tenke, sur son personnage. Ça, on l'a vu, il n'arrivait pas à le toucher, il était décalé, il a envoyé plusieurs fois sur les côtés, donc ça a été vraiment un boss très compliqué. Et là, bah, finalement, ça le met près de 30 secondes derrière Tifa et ça va faire beaucoup de points. Ça parle beaucoup. Alors, comme si le prochain jeu était... Qu'est-ce qui se passe ça m'a l'air plié en fait, les gens s'en vont et se disent c'est bon, Devil Tifa a gagné, le reste ne compte pas. Alors, ne reste pas... Le résultat du coup. Ah oui, allons-y. Du coup on a Brotherman qui a fait 11 minutes 34 et 189 points, Melwes qui a fait 194 avec 11.02. Kusha 195 avec 10.59 et Tifa son 10.36 qui lui fait 199 points. Et je crois que c'est le premier jeu où personne n'a fait 200 points. Ah non, sur Zelda, mais Zelda on le sait. Mais là c'est un peu la surprise, personne n'a fait 200 points sur Chip and Dale. Zelda ça compte pas. C'est surtout le jeu sur lequel l'écart est le plus gros, avec 10 points d'écart entre le premier et le dernier. Donc entre Tifa et Brother Main, ce qui risque d'être assez méchant au niveau du classement total. Voilà. Tifa 1602, 1591 pour Brother Main et les 191 points de Kouchas qui le mettent à 1588. Quatrième Kouchas, troisième Brother Main.
deuxième Mel West qui perd une place. Je crois que tous les joueurs auront eu pendant cette ultime finale au moins une fois la première place dans le tournoi. Ça a beaucoup fait le yo-yo. Et là, c'est Tifa, le sous-marin inarrêtable. Devil Tifa, pour l'instant, premier, 1602 points devant Mel West. Là. Par contre, je commence à avoir peur. Il y a des jeux qui arrivent. 10 points entre Mel West et Bro. Autant l'écart entre Bro et Kouchas ne m'inquiète pas. 10 points, c'est quand même conséquent. C'est beaucoup sur Dark Souls parce qu'on a un point toutes les 30 secondes. Hein. Le jeu est très aléatoire et très punitif. Donc, évidemment, le système de points n'est pas trop méchant. Par contre, sur Mega Man, ça va très vite. Hein. 10 points, c'est une mort sur Willy 4 et tout est relancé. Mais c'est vrai que c'est des champions et miser sur l'accident d'un autre, c'est toujours un peu risqué. Ah oui. Ça peut arriver, rien n'est joué. Mais c'est vrai que pour Brother Main, maintenant, il faut absolument, et pour Kouchas, évidemment, qui n'est que 3 points derrière, donc c'est juste là, faire des runs irréprochable, que ce soit sur Dark Souls qui arrive tout de suite ou sur Mega Man 2 juste après. Alors, a-t-on les PB de nos joueurs sur Dark Souls, Tenke, les PB de nos joueurs qui vont peut-être montrer, qui nous donneront des indices, même si on sait que pour certains runners, c'est pas forcément les mêmes routes qui sont faites en grind ou en race. C'est ça, ça va être. Mais disons que ça peut représenter un petit peu le niveau global des joueurs. Donc voilà, Tifa qui est notre meilleur avec 210 points et 19,59. Mel West avec son 20-21, 209 points. Brother Main 21 minutes 10 et 207 points. Et Kouchas 21 minutes 35, 206 points. Donc 2 minutes, 1 minute 30, on va dire, d'écart entre le meilleur et le moins bon. Ce qui n'est pas énorme, ça fait que 3 points. On l'a dit, hein, le jeu n'est pas très punitif. Par contre, en race, ce ne sont pas forcément les mêmes routes. On peut tenter parfois des choses quand on sait qu'on a un petit peu de retard ou de l'avance et qu'on veut peut-être l'asseoir, parce que les premières places sont quand même un petit peu serrées là entre Mel West et Tifa. Donc ça risque de tenter des choses et ça pourrait être un petit peu terrible si ça rate. Ouais, c'est clair, si on est pris dans une spirale. En tout cas, en GF2, Tifa il avait fait 26-50, Mel West 28-07. Donc ils n'avaient pas forcément très bien réussi leur Dark Souls par rapport aux standards qui sont les leurs. Hein. Bro avait fait 23-08, ce qui est plutôt pas mal, et 23-07 par Kouchas. Donc en tout cas, en GF2, Bro et Kouchas avaient profité de ce jeu pour remonter. Et on se rappelle hein, surtout de Mel West qui, à l'époque, en GF2, caracolait en tête et s'était fait une grosse baffe quand même sur ce jeu. Par rapport aux routes, on aura soit deux routes, soit trois routes, parce que je sais qu'il y en a deux, a priori, Twin, qui vont faire une chasseur CSS. On aura une Uchi et une Uchi CSS, peut-être trois routes qui sont des mixtes d'une même route. Des variations de la même route en fonction de l'ordre des boss, ça donne accès à des armes plus ou moins tôt. Ça devrait être très très similaire, très très risqué. Ça va jouer le all-in, a priori, vu ce qu'il nous avait montré en race jusque-là. J'imagine mal Tifa se sentir suffisamment en position de force avec un point d'avance pour jouer excessivement safe. Pareil pour Mel West qui n'est pas encore premier. Donc il y a de l'enjeu pour tous et normalement là ça devrait être très 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 tendu sur ce Dark Souls. Le but c'est de tuer 8 boss et Dark Souls, si vous connaissez le jeu, vous savez que ce qui peut se passer, et si vous connaissez pas, place au spectacle. Ouais, d'autant que ce que nous souhaitons tous, hein, c'est très très serré. S'il devait y avoir égalité, on a un critère de départage au temps, le temps fait pendant le tournoi. Et autant Dark Souls, du coup, grâce à un système très généreux, peu déterminant, parce que c'est vrai que les points sont très très chers à payer, mais en cas d'égalité, mécaniquement, c'est un des jeux qui coûtera le plus cher, car ça sera chaque seconde, vaudra une seconde, et une seconde sur Dark Souls, ça se perd très très vite, je pense. On va se regarder le clip pendant que nos runners se préparent, et on revient juste après. We'll be right back.
qui aiment Dark Souls. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment regarder Dark Souls surtout? C'est ça l'important. Ouais. C'est vrai que ce jeu est effectivement très punitif. Il y a une certaine jouissance en tant que spectateur. À la fois, on a envie que les gens réussissent, mais c'est vrai que l'adversité est vraiment rude, parce que tout peut nous tuer, du boss un peu imposant au petit holo en calbut qui nous attaque avec son coutelas. Car dans Dark Souls, une des spécificités Twin, c'est vrai qu'il y a certes des niveaux, mais on n'est pas plus fort de manière astronomique en passant 5-6 niveaux. On est toujours quand même vulnérable. Ah ouais, non, on reste faible comme un caillou du début à la fin. On est vraiment inutilisable quasiment. Il faut vraiment se battre contre l'environnement, contre le jeu. Et là, c'est très très court, hein. C'est une vingtaine de minutes pour tuer 8 boss, et donc on n'a pas le temps de devenir un super guerrier, donc on va rester très 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 faible. Est-ce que nos 4 victimes sont prêtes? Alors on va avoir alors il y a moyen, par contre exceptionnellement pour ce jeu ça pourrait être intéressant de d'abord voir au moins une dizaine de secondes leur écran avant qu'on lance, parce que par rapport à la manière dont ils construisent leur personnage, ça va permettre de voir un certain nombre de choses. Alors qu'avons-nous Twin par rapport aux personnages qui sont faits? Alors nous avons 4 chasseurs, comme annoncé on est parti sur des personnages plutôt similaires. Donc Capra Please pour Devil Tifa qui prie les dieux de la RNG avec son chasseur et ses bombes de feu noir. Pareil pour Mel West et le fils de Jante. Donc a priori même départ, mêmes idées. Ensuite, pour Brother Main, c'est exactement la même chose, avec la team Chip, plus en faveur de celle de Dale. Et enfin, Kouchas, exactement identique, qui se demande comment on joue. Merci de les encourager. Eh ben, on va se lancer ça. Tifa, il manque... Ah, c'est pas grave. C'est parti, voilà, et ça a été rajouté. Donc ce petit compteur, ça permet du coup de voir là où ils en sont rendus, c'est tuer 8 boss. Donc quand c'est marqué 1, c'est qu'ils sont en train de se rendre ou de combattre le, ici, premier boss. L'asile, je crois que c'est la zone Twin que tous les runners de Dark Souls ont fait mais 1000 fois. C'est le tuto obligatoire, hein, et pour autant le speedrun commence vraiment maintenant. Voilà, le menuing, il est déjà présent. Il y a déjà du temps à gagner ou à perdre, des décisions à prendre, en particulier qu'est-ce qu'on va faire de nos consommables. Ils ont tous commencé avec 10 bombes de feu noir et on va aller voir tout de suite, est-ce qu'ils les utilisent toutes, est-ce qu'ils les utilisent simplement 2. Donc il y a déjà pas mal de choses. Pour Mel West, on les utilise. Bah, Mel West, il joue très aggro, il va en utiliser 2 et se barrer. C'est la méthode, en gros, c'est la route Uchi CSS, mais aggro. Là où Tifa va sans doute le tuer en utilisant 5 bombes et faire la Uchi plus classique, en tout cas. Chez Brother Main, on a raté des bombes, par contre, donc il va être obligé d'en utiliser un petit peu trop et perdre un petit peu de temps. Attention à ça. Chez Mel West, on a 8 bombes, Kouchas 10, Tifa 5, et il a déjà tué le premier boss. Mel West, il est assez all-in, parce qu'en race, des fois, garder une ou deux bombes de secours, car il va faire très tôt Under Dead Burg, s'il rate une ou deux bombes, ça peut être compliqué. Donc là, faut savoir que là, Mel West et Kouchas vont faire la même route, et Tifa, Brother Main, en tout cas, soit la même ou la même sur une grosse partie, parce que je crois que Bro est adepte, me semble-t-il, de la variante CSS de Gonzo, il me semble. Mais en tout cas, sur la première partie du speedrun, ça devrait être la même chose à gauche et à droite, du coup, l'autre route. Effectivement, donc on va chercher l'arc quand même pour Devil Tifa, l'arc est une arme utile. Brother Main qui devrait faire la même chose, et Kouchas et Mel West, eux, ont tous les deux à battre le boss qui est... Oulala, Mel West. Et ouais, n'importe quel ennemi peut vous tuer dans Dark Souls, attention. Voilà, obligé de jouer safe, de temporiser un petit peu. On voit rarement des popos à l'asile, mais parfois il faut, en race en tout cas. Et Kouchas qui va finir le premier boss, le tuto est fait. Tifa s'échappe de l'asile, Brother Main ouvre la porte et Mel West achève le boss simplement avec son attaque plongée. Petite avance, Devil Tifa, rien n'est joué pour l'instant. Du coup, il a déséquipé les bombes, du coup, Mel West. Il a déséquipé les bombes, assez énigmatique. Alors, on va se diriger par cet escalier. On va aller du côté justement
là où il y a tous les morts-vivants et Taurus. Le début est assez tendu, hein. Rien que voilà, éviter ses ennemis, c'est toujours plus safe que de les tuer tous, de les affronter tous, mais on peut très vite se retrouver submergé. Donc attention au déplacement et à la gestion de l'endurance pour pouvoir courir en continu. Melwes qui va chercher des petites bombes de feu supplémentaires. J'ai l'impression que Melwes il joue à fond la race parce qu'il se dit de toute façon, je pourrais pas trop me faire distancer sur Darsoul, c'est arrêter au feu pour avoir 10 popos. Et je pense plutôt qu'il il se dit bon, à la limite, je concède un point à Tifa sur Dark Souls. Mais Megaman, c'est là que je ferai la différence. Ouh, attention quand même, pas mourir. Ah, cet escalier qui terrorifie, qui terrorise pardon, plein de joueurs, hein, là où est passé Melwest. Hein. Et côté Tifa et Bordermain, on va tuer le marchand sans problème. Voilà, qui meurt. Allez, attention, là on arrive sur un des moments les plus décisifs pour Melwest. Il va... Ah non, il a changé du ah, coup. Ah, il fait pas la route CSS. Alors voilà, Kushas y va. Il va faire le skip. Attention. Et ça passe. Voilà. Attention maintenant à concrétiser avec cette zone ô combien dangereuse. Beaucoup d'ennemis. Attention, le chien derrière toi. Et donc là, on va utiliser les bombes de feu noir qui font quand même le café. Ce qui est bien quand il y a plusieurs routes, c'est qu'il y a des boss en alternance. On va avoir du coup un combat, là c'est Undead Burg qui est vraiment épique pour Kusha, c'est quand il va terminer à peu près le passage difficile, on va arriver à Taurus. Parce que la partie la plus difficile ça reste de tuer les voleurs, parce qu'après mettre les bombes sur Capra grâce à l'arc c'est une formalité quand on a le setup. Il a choisi d'utiliser une bombe supplémentaire pour le troisième voleur pour pouvoir, il va avoir de quoi de toute façon tuer le Capra. Oh, et Brotherman qui est mort, qui s'est pris le baril. Ah là là, non c'est terrible. Attention, donc Tifa qui arrive contre Taurus, il est avec Luchigatana, on rappelle, Luchigatana, oh là là, le coup de masse. Attention. Allez, là avec ce consommable, on fait beaucoup de dégâts. Ouh, attention, on survécu à deux hits. Il y a une flèche, surtout une flèche pourrait le tuer. Une flèche pourrait le tuer, c'est très très dangereux de rester là. Une flèche pourrait le tuer. Oh et non, voilà, et... c'est ça qui l'a tué. Flèche ou un orteil de Taurus, l'un ou l'autre, ah, en tout cas l'ont achevé. Et donc Melwes doit pouvoir repasser devant et Kushas aussi qui va se diriger vers les profondeurs. Mais ce qui est terrible surtout Twin, c'est que le consommable dans cette route là, il est assez précieux, faut vraiment pas les gaspiller. Normalement le routing c'est un consommable par boss. Donc déjà Tifa il doit réfléchir à quel boss, à quel moment il va jouer sans son consommable. Effectivement là c'est assez tendu, limite dans Lower Undead Burg peut-être aller chercher les bombes de feu noir et se diriger vers Capra beaucoup plus tôt que prévu pour aller chercher une autre arme. C'est fait chez Melwest. Taurus est mort. Ou alors non, Melwest, je sais pas ce qu'il va faire, il va peut-être la variante, il va peut-être faire la variante du chasseur CSS mais en faisant d'abord Taurus Estrait. Parce que je la trouve plus safe foncièrement. On va voir ça. Melwest qui va aller vers en tout cas la paroisse pour l'instant. Et Brotherman qui va vers Taurus pendant que Kushas achète son épée cristalline. Pas de all-in sur le pont en tout cas pour Melwest. Une petite flèche pour faire descendre le dragon. Évidemment on ne veut pas mourir. On arrive à Taurus pour Bro. On va côté Kushas on va attention. Tuer. On va tuer évidemment le sorcier. Ouais, c'est pour sécuriser au maximum. Ça aide énormément quand le combat est un petit peu long, voilà, de tuer cet ennemi qui sinon continue de vous attaquer pendant que vous êtes dans le boss. C'est fait côté Brotherman, Tifa va y retourner. Alors, on devrait voir le Taurus de Tifa avant le gaping de Kushas. Allez, crâne de jante. Alors on va voir ce que fait. Normalement la plupart des runners font gargouille, mais peut-être qu'il va faire stray. Il va faire stray pour ensuite retourner sur la route CSS. On va voir ce qu'il fait. C'est une possibilité en tout cas. C'est vrai que finalement, c'est pas une perte de temps. L'ordre des boss compte assez peu. De toute façon, le but, c'est les armes qu'on va avoir pour les tuer. Et comme là, il a directement son arme qui fait saigner, c'est bon. Et Kushas sur Gaping. Attention. Allez. À ce dragon. Ouh, il a joué safe. Il pouvait mettre un quatrième coup normalement. Il a pas voulu prendre de risque. Attention. Ici, on est bien. Kushas. Ça reste un combat qui fait peur parce qu'on n'a pas beaucoup de vie et il fait des gros dégâts, le gaping. Ah ouais, c'est quasiment le one shot à ce niveau-là. Surtout ce coup de queue, attention. Ça évite, attention le vomi.
faut pas trop perdre de temps ici. Il faut être gourmand dans Dark Souls, il faut faire des hits en plus. Et là, le mieux, ça serait une attaque vers le bas, mais non. Ah, c'est bien ça aussi, on a le temps de le taper. Allez, un dernier hit, c'est fait. Et Mel West, en fait, fait la variante papillon premier, hein, la variante de Gonzo de cette route, Uchi Gatana CSS. Et Tifa tue le Taurus sans la résine, donc avec des attaques chutées comme ça. C'est un petit peu long. Mais en gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que maintenant il tue un boss sans une résine. Et Tifa décide de le faire au plus tôt, pour pas repousser l'échéance. Attention. Ouais, là c'est un peu dur quand même. Il va avoir le temps de se soigner. Se soigner, c'est perdre du temps. Allez. Et chez Brother Main, on a et on monte le Chigatana On monte le Chigatana chez Mel West. Et Mel West et Brother Main qui ont forgé. Chez Bro, ouais. Enfin, Mel West l'a fait tout à l'heure et Bro vient de le faire, ouais. Comme ça, ils vont pouvoir faire plus de dégâts avec leur arme. Parce que donc il faut augmenter ses statistiques personnelles, la force, l'endurance, c'est pas forcément dingue. Augmenter par contre son arme, c'est 10% par amélioration de dégâts, donc ça peut être très très bien. Tifa qui s'est fait toucher ici, il a son arc. Il faut l'équiper par contre. En tout cas, Kouchas qui est très très bien. Kouchas, 1588 points, il a du retard. Il est bien parti pour faire un bon Dark Souls. Après les points, un point toutes les 30 secondes, c'est pas cher payé. Mais ça permettrait de revenir au moins sur Bro et peut-être de recoller un peu au peloton de tête que sont Tifa, Mel West à 1602-1601. Effectivement, Mel West qui est bien dans sa route aussi pour l'instant. Et Tifa là en difficulté alors qu'il avait un point d'avance sur Mel West, ça va être difficile à conserver. Allez, les trois bombes de début de combat. Alors papillon, normalement, c'est simple, mais il faut faire très gaffe. Il faut faire très gaffe, il faut faire les roulades, il faut le bouclier, se soigner de temps en temps pour pas se faire one shot. Allez, la roulade. Attention, rater ses bombes, ça fait perdre du temps. Oh non ! Oh, il est pas mort ! Tout va bien ! Tout va bien ! Oh ! Attention, Mel West ! C'est bon ! Oh, c'est beau ! Mais du coup, il a paniqué, Mel West. Il a aucun équipement de prêt. J'espère qu'il va avoir le temps de le tuer, là, parce qu'il a un peu fait n'importe quoi. Faudrait pas qu'il lui explose ! Attention ! Ah ! C'est pas grave, il a des bombes sur lui, donc il va pouvoir l'attaquer à distance. Et Kouchas qui va vaporiser le Taurus, lui, grâce au point d'expérience gagné, au level gagné, grâce à Gapping. Par contre, là, le papillon, il peut faire absolument n'importe quoi pour Mel West. J'espère qu'il va vite se reposer. Ou Brother Main, attention, sur le attention. Papillon, lui aussi en difficulté. Kouchas, attention quand même. Hein. Voilà, c'est terminé. Ok, c'est bon, le papillon qui se repose vite. Pour Brother Main. Par contre, chez Mel West, il est possédé. Kouchas qui a une belle avance. À ceci près, Kouchas n'a pas encore fait le papillon. Le papillon de l'infini pour Mel West. Ah ouais, lui relaisser un cycle, en fait, c'est vraiment, vraiment concéder toute son avance. Parce que le papillon, voilà, s'il décide de pas se poser, bah, il se pose pas en fait. Donc c'est. Et on est à très combat pour Tifa, du coup, son quatrième boss, quatrième combat. Attention, faudrait réussir à le tuer là. Ça devait être bon. Ça va être bon. Allez. Ouh, c'était tout juste. Et on a Tifa. Alors le saignement de cette arme fait très très mal, c'est ça l'avantage quand on a du Chigatana. Tous les trois coups on fait du saignement et ça fait très mal. Ouf, putain. Oh là c'était très dangereux. Mon dieu. Donc ouais, les là-haut hein, de ce boss qui peut faire très peur. Là se soigner ça peut être dangereux parce que ensuite on peut se retrouver à des positions assez compliquées. Donc, c'était bien fait, tout va bien pour Tifa, tout va bien pour Brother Main qui attend pour se diriger vers ce boss aussi. Kouchas qui arrive vers les gargouilles et Mel West qui arrive vers Stray aussi, donc c'est très 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 serré maintenant. Kouchas qui met les crânes de jante aussi. Maintenant c'est vraiment beaucoup lui rend hommage en tout cas. Les crânes et les jantes. Allez, on le touche. Bon attention à la holo room pour Kouchas. C'est bien passé, très 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 proprement.
Stray Démon là, qui enchaîne les AOE. Attention à pas spammer. Allez, on rappelle, hein, c'est l'IGT qui fait foi sur ce jeu. L'in-game time. Alors même si Kouchas a une avance, mais elle est pas non plus astronomique parce qu'on voit 5, il est en train de combattre. Bravo Pontifa, on peut l'applaudir. Mais il faut savoir que Kouchas, comment dire, son boss le plus long, c'est comme pour tout le monde le papillon, un split à 4 minutes qui est atroce. Et on, dans cette route de Kouchas, on va faire le papillon à la fin. Donc c'est logique. Ouais, la CSS sur les gargouilles, c'est quand même pas mal. Deux hits. En deux hits. Tifa qui choisit avec soin ses petits niveaux pour gagner du temps. La route est assez précise sur l'expérience. Et MLOS et Brothermain un peu dans le même combat, hein, des allers-retours en essayant de mettre 3 hits à chaque fois. Allez. Ouh, bro. C'est bon. Mais l'Ouest qui s'est il a mis une petite résine du coup, résine plus le Uchi pour vaincre Stray. C'est bon pour Bro. Ah oui. Ça va être bon pour Mel West. Voilà, pas de problème. Et Tifa se dirige vers les gargouilles pendant que Kouchas se dirige vers Stray, attend tranquillement. Pour Kouchas, il reste Stray, Pinwheel, puis Papillon vraisemblablement. Pour Tifa, il y aura les gargouilles. Et ensuite, il fera Capra, Gaping, Pinwheel. Non, on fait... Attention, Tifa. Ah là là. Il a pas osé y aller et ouais, le jeu a pas été clément. Hésiter, ça tue souvent dans cette salle. Et non, là c'était... C'est vrai qu'on se fait suivre, c'est ça le problème de... Allez, on encourage. Tuer un ennemi. On encourage Bro pour le skip. Il va falloir de l'énergie. C'est un truc qu'on a qui peut nous déconcentrer si on le rate. Allez, on se concentre pour aller voir Capra. On va aller dans l'arène après. Il a mis assez de force pour utiliser son Uchigatana à une main. Et ça passe. Ça passe. Mel West va faire la même chose. Ou attention. On tue d'abord tous les ennemis et ensuite un petit setup, un alignement et le saut au bon moment. Ça passe, aucun problème pour nos runners. Ça se passe globalement mieux pour l'instant qu'en GF2, j'ai l'impression. Tifa m'a l'air de prendre des décisions de l'infini. Oui. Quand même, là, tuer ce chevalier ici. Il a investi du temps. Ouais, il a pas l'air confiant sur cette salle, donc il prend son temps. Alors on est parti en Cabro qui est contre Capra. Un combat vraiment décisif. Un des combats qui a le plus terrorisé les runners, je pense, dans cette UD. Ah, et Mel West va tuer Capra à distance, par-dessus. Il prend pas le risque. Pendant que voilà, Brothermain, ça s'est très bien passé pour lui. Mais c'est ça, le petit détour, il a fait le compromis en termes de routing. Et du coup, il a moins de pression parce que c'est qu'il a pas mal de niveaux, il a un gros outil, il va pouvoir vaincre les ennemis d'Undeadburg et il va vaincre le boss sans pression. Il a utilisé ses bombes pour les ennemis d'Undeadburg. Bizarrement, il a vraiment utilisé tous ses consommables. La route est étudiée avec précision. Voilà. Et Tifa arrive aux gargouilles. Et du coup, ça lui fait quand même. C'est... Voilà, c'est fait pour Mel West. Enfin, on le rappelle qui a 1602 points, qui est premier de ce tournoi pour l'instant, de cette 8ème finale 4. Ouh, les gargouilles qui s'envolent, mais qui se font punir immédiatement. Il va falloir finir ce boss très vite. C'est bon. Et c'est fait. Bravo. Brothermain va arriver à Gaping. Il ne tue pas le channelier en haut. Mais l'Ouest qui se fait suivre par un rat, mais c'est bon, il s'en sort bien. Et Kouchas arrive dans les catacombes. C'est des moments assez clés pour les runs de tout le monde. Tifa qui a fait le retour dans la Hollow Room, c'est pour ça en fait qu'il a pris son temps pour tuer tout le monde. Il a considéré que ça lui ferait gagner du temps de faire comme ça. Allez, le slam. Attention, bro. Et le dragon qui se relève tout de suite. Attention, le coup de queue.
Attention. Sur le grab aussi. Et on voit hein, le mage qui le suit. Attention, attention voilà, c'est ça le danger. Le slam. Oh, attention. Ouais, il va se soigner. C'est un endroit tendu pour se soigner. Surtout qu'il va perdre bientôt son buff. Ouais, donc, la résine ne dure qu'une minute. Pendant que Melwest arrive au gaping, il va essayer de faire une bonne ouverture en 4 hits. Et les 4 hits sont faits, on se planque. Ouais, c'est l'ouverture que Brodermine n'a pas eu. Et donc c'est pour ça qu'il perd du temps. Attention, le vomi. Du vomi partout. Mais un bon gaping, c'est énorme parce que Melwest avait du retard sur Bro. Et là, rien qu'avec gaping, du coup. Bro qui est un peu attention, dans une spirale bro. Infernale, attention. Ouais, le grab encore une fois évité. Ah là c'est le one shot, hein, le grab, c'est vilain. Melwest, ça se passe mieux, ça va être bientôt fini pour Melwest sur gaping. Et Kouchas, je vois quelque chose de terrible, il retourne dans les catacombes, ça veut dire qu'il est mort à un endroit. Sans doute en bas, au fond, avec les roues squelettes. Ah oui, non, on voit son âme. Allez, bro! Allez, ça devrait être la fin. Non, il joue safe, il a raison, il temporise. Attention. Putain, mais quand on n'a pas la résine, par contre, allez, moins c'est mal. Bon! Faut pas mourir maintenant, faut avoir le message, vous avez vaincu. Voilà, c'est bon. En tout cas, là, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est que Melwest, à 1601 points, est en très bonne posture pour prendre la tête de cette ultime finale. Tifak est en difficulté. Il est en tête à 1602, mais il est en difficulté. Il va peut-être se faire rattraper, on va voir, par Bro ou par Kouchas, en tout cas. Tifak, il reste Gaping plus Capra, après ce papillon. Kouchas, et qu'il reste qu'un boss après Spinwheel. Attention, c'était bien évité. Un dernier hit et on sera bon pendant que Melwest s'enfonce dans les catacombes. C'est fait. Brother Main qui talonne Melwest depuis tout à l'heure. Et Tifa sur le papillon. Ça peut durer longtemps le papillon, on l'a vu tout à l'heure. Mais Tifa a beaucoup de retard. Même si c'est qu'un point toutes les 30 secondes. C'est une, quand même plusieurs minutes. On rappelle que Bro à 1591, il a 11 points de retard par rapport à Tifa, c'est donc 5 minutes 30. Et je pense qu'il y a déjà pas mal. On est dans cet ordre d'idée en fait. On est sur pas mal de minutes d'écart entre les deux joueurs. On est sur une très très bonne run hein, de Kouchas. Bah, il a fait une petite mort vraisemblablement, donc il peut quand même de toute façon faire moins de 25 minutes. Il peut faire normalement 23-30. 24 in-game time, ce serait bien. Après, c'est le split le plus long, le papillon. Melwest. On cherche le bon. Attention. Ça devrait être bon. Voilà. Bravo, Melwest. Tifa qui s'enfonce dans les catacombes, qui va aller affronter Pinwheel. Bro qui est contre Pinwheel. Allez, une bonne ouverture. Faut pas se faire avoir. Pas être trop gourmand. Son attaque peut faire mal quand même. Allez. Et c'est bon. Pinwheel mort aussi. Il nous reste le dernier boss pour Melwest, Kouchas et Brother Main. Nouvelle Tifa. Un petit peu plus de chemin à parcourir encore. La mise en scène pour Melwest. Hein. On adore faire des coucous dans Dark Souls. Surtout pendant les ascenseurs, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Allez, ça devrait aller très très bien pour Melwest maintenant. J'ai l'impression que ce Dark Souls va polariser. Il va y avoir un phénomène en tout cas de polarisation à l'issue de Dark Souls dans cette ultime finale. Allez, les crânes de jantes. Utile jusqu'au bout. La roulade a été ratée là, attention. De toute façon, on peut pas mourir. On rappelle que contrairement à DS2, c'est un pourcentage de la vie que l'on perd quand on tombe. Du coup, ça permet de plus nombreux skips.
Allez, Mel West contre les gargouilles. Allez, avec la, la résine et la, l'épée cristalline, ça devrait pas poser trop de problèmes. Brock a passé avec tracas la Hollow Room. Allez, ça fait vraiment mal. 4 ouais. Hits. Souci. Allez, Mel West pour le dernier hit. Et voilà. Ça va être la même chose côté Brodermain. 2 hits allez sur les gargouilles pendant que Tifa finit Pinwheel. Voilà. Et il reste plus. Tain, mais ça. Et c'était tellement serré, Twin, que c'est la simple mort de Kouchas dans les catacombes qu'il l'a mis dernier. Effectivement. En tout cas, dernier. Dernier de ces 3 runners qui arrivent. Des deux premiers, en tout cas, par rapport à Mel West et Bro. Allez, on encourage Devil Tifa. Allez. Tifa, Tifa. Il arrive au skip, en tout cas il a une portion assez délicate. Le skip, Capra, Gaping. Et c'est quel autre boss qu'il a pas battu? J'ai l'impression que il a oublié un split. Ouais, effectivement, je pense que c'est ça, parce ouais. que... On a fait Stray, on a fait Papillon, on a fait les gargouilles, Pinwheel. Allez. Oh, oh ça passe pas. Ah là là. Malheureusement, là. Tifa en difficulté comme Dark Souls. Allez, on se reconcentre. C'est vrai que c'est beaucoup de temps. En tout cas, à l'issue de Dark Souls, comme on disait, on va avoir sans doute un regroupement entre Tifa, enfin Brothermain et Kouchas, grâce à leur performance incroyable sur Dark Souls, vont sans doute rattraper Tifa. Et peut-être un Mel West qui va prendre la tête avec une petite avance. Allez, le skip. Ah là là. Le skip qui passe pas. La deuxième fois, par contre, ça c'est un peu gênant. Allez. Les holos vont être là. Allez. Oh là là, oh là là, oh là là, attention. Il va falloir faire quelque chose pour régler ce problème. Voilà. Allez, on y retourne. On perd vite du temps dans Dark Souls. Le skip raté, là, c'est 40 secondes. Ça finit par coûter du temps. Il va falloir que ça passe maintenant. Et j'espère que le combat contre Capra se passera bien. Là, j'espère aussi. C'est pas un moment garanti. Il n'y en a pas dans Dark Souls. Ah, oh c'était là là. Bon et la roulade un peu tôt. Allez, Tifa. Allez, Tifa. C'est vrai que... Voilà. Oui, d'une certaine manière, on est à la maison. Allez. Voilà, les pas de carbo de la victoire, sans doute. Ah là ah là, non. Un panique. On sent un petit peu la panique, du coup, le positionnement plus hésitant du personnage. Ouais, c'est. Il va falloir que ça passe. Parce que donc ce skip est assez intéressant quand même dans Dark Souls. Si vous avez fait le jeu, si vous avez battu Capra, normalement, on redescend en fait tout un long couloir. On récupère une clé au niveau des gargouilles qui permet d'ouvrir une porte. Et c'est tout un détour, vraiment. C'est un bout en fait assez. Nébuleux auquel est arrivé, voilà, mais voilà, le platforming permet d'aller jusqu'en bas. Ouais, prendre son temps, je pense. Parce que c'est vrai que là, l'autre solution, Twin, pour rejoindre en bas, c'est prendre la clé qu'il n'a pas prise pour le coup, quand, après le pont, après le sanglier qu'il a évité. Au début du pont, il y a justement une porte qu'on peut ouvrir. Mais c'est vraiment... Allez. Allez, on s'aligne. Le setup. Allez. Pas de pression. Ah là là. Là, là.
On a rarement vu Tifa, je pense, en difficulté autant. C'est... Ouais, ça fait un moment que les contre-performances sur Dark Souls n'avaient pas été là en tournoi pour Tifa. Au début de l'UD, ça avait été un peu difficile comme jeu, évidemment, à appréhender et puis comprendre bien les mécaniques de speedrun et les techniques et même la philosophie complète de cette run qui est assez particulière. On a mis tous, je pense, un petit moment avant de se l'approprier. Et c'est vrai que récemment, ça s'était plutôt bien passé. Allez, c'est bon. Voilà. Allez. Voilà, les voleurs sont là. Attention. Voilà, on fait le ménage. Attention, attention. Pas de panique, les roulades panique. Voilà. 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 Sinon, tu restes ici et tu fais ta vie. C'est chez toi. Voilà, alors, c'est vrai bon. Que les chiens peuvent pas rentrer dans les maisons, donc c'est... Ouh, attention. Oh là là. Ah là 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 là. C'est terrible. Là, c'est le moment où il faut vraiment donner vos énergies. Allez. Et non, c'est vrai qu'il y a des gens qui chuchotent. Il y a des boss qu'on ne peut pas aller combattre si on n'a pas pris par exemple le voleur avec la Master Key. Master Key que l'on peut récupérer aussi, mais c'est quand on a battu Einstein et Smooth. C'est voilà, après ouais. Einstein et Smooth on peut l'acheter, mais là, ça va être un petit peu tard dans la trop run. Cool. Sachant que 8 boss dans Dark Souls, ça vous permet quasiment de finir le jeu. Ça vous permet de finir entièrement le DLC. En 8 boss, on peut vraiment faire énormément de choses dans Dark Souls. Donc là, on reste évidemment, l'idée c'est de rester autour de la zone de départ et pas de combattre les boss les plus dingues. Mais 8 boss dans Dark Souls, c'est vraiment c'est très 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 permissif. Y a peu de gens... Ah là là, ce skip qui était passé et on est retombé du mauvais côté là. Ouais, mais je sens qu'il va le réussir du deuxième coup. On rappelle en tout cas, avant Dark Souls, Tifa 1er à 1602, Mel West à 1601, Bro 1591 et Kouchas 1588. Tifa en tout cas qui va se faire complètement rattraper, même dépasser du coup. Il lui faudra un bon Megaman pour en tout cas revenir. Là, la première place risque d'être compromise. Mais... Ah là là. Ah, le coup de pied de la colère. Allez, on élimine ce petit holo, on se soigne. Allez. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont de l'empathie parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu en tant que runner Dark Souls, le moment même quand on a un bon niveau où on rentre dans une spirale et on est vraiment en difficulté, c'est très très compliqué. Il faut gérer le fait, bah, on est en race, on continue et on a vraiment l'impression de, même si on sait qu'on s'est, là en l'occurrence on s'est mal positionné, on a un sentiment de frustration énorme, enfin j'imagine on a tous vécu ça en tant que runner en tout cas. C'est terrible. Allez, c'est bon, c'était fait. Nouvelle bravo. Chance. Là maintenant, les voleurs n'ont pas été activés, il va falloir gérer ça. C'est vrai que les portes sont ouvertes, donc on ne peut pas forcément foncer de la même manière qu'avant. Ceci dit, comme il y a 160 points de complétion... Allez. Il y a... C'est bon. Allez, allez, allez. Et évidemment, l'esprit, c'est... Lutter, c'est bon esprit, même les autres participants encouragent vivement Tifa, en tout cas. Attention à ce boss avec le chien juste derrière lui. Qui s'est coincé. Voilà. Attention au voleur, voilà aussi au niveau de la porte de brouillard qu'il va falloir éliminer pour pouvoir sortir de l'arène vivant. Allez. Allez. Et puis, il y a ce combat qui peut être un peu tendu quand même. À cause de la taille de l'arène et de sa géométrie. Oula, attention. Ouais, raté des hits, ça fait toujours prendre des risques, attention. On sent, attends. Il reste 2 hits à mettre, ça devrait être bon. Ah, yeah. Sauf s'il saute. Attention ou non. Ouais, voilà. C'est bon. Bravo Tifa.
On va se diriger vers le dernier boss. Il est malheureux ce Capra parce qu'il est dur, il est au bout d'une zone horrible et il donne que 6000 âmes. C'est un trash mob de la deuxième partie du jeu. C'est ça. Allez, dernière zone. Voilà, donc on rappelle. Voilà, c'est bon, il a mis à jour ses splits Tifa. Le voilà. On va arriver. Oh non, le chien qui se positionne, attention. Allez, on va pouvoir voilà, gérer. Voilà. C'est fait. Allez, on se concentre. Heureusement, voilà. Ces profondeurs, on n'a pas à les faire en entier. On peut glisser voilà, jusqu'au fond. Et on va faire des courses. Je pense pour Tifa, acheter peut-être. Ah, il non, va prendre il le feu. Il n'a pas la clé, il va pas pouvoir prendre le feu. Il a peur en fait de mourir, effectivement. Il a peur du coup de devoir refaire le raccourci. Ça, c'est un peu le. Il sait qu'il sera. S'il peut pas prendre le feu, il va être mal à l'aise, sans doute contre Gaping, je pense. Mais il a pas la clé, il faut la clé qui est dans l'arène du rat. Eh oui. Ça par contre, c'est pas possible. Je pense que la dernière fois que Tifa a utilisé ce feu, il était voleur. Ouais, la dernière fois qu'il a utilisé ce feu, ça devait être il y a un moment. Parce que c'est vrai que. En général, les runners ont. Enfin, ont eu le niveau. Allez, on fait ses courses, on rappelle. 1000 âmes pour la résine, il y en a 3. Autant acheter les 3 de toute manière, évidemment. Comme ça, c'est chose faite. Parce que ça peut arriver que sur Gaping, on ait besoin d'utiliser 2 résines. Hein. C'est. Après, faut être sûr de finir le combat. Allez! Ouais, le Gaping, le trash mob. La zone suivante, il y a des gaping partout. Allez, l'ouverture, le slam. 2 hits, 3 hits et le quatrième petit avant de partir. C'est bon. 1392 dégâts. On va se planquer parce que il y a évidemment un mob qui nous tire de la magie dessus. Ah, un hit raté. C'est pas grave, on peut continuer à le taper. 1044. Voilà, c'est quasiment toute sa vie qui est faite. Il a environ 4000 points de vie. On va taper sur sa patte. Ah non, il a écarté sa patte un peu précipité. Oula, attention. Mais les zones d'effet des attaques de Gaping sont attention, complètement ouais. Délirantes. Faut faire gaffe parce que des fois quand il. Faut vraiment faire très très attention. Voilà là, ça s'envole voilà. Beaucoup. Allez, dernier hit, voilà, bravo. Ah là là. Tenke, un commentaire sur cette race Dark Souls. Dark Souls, de toute façon, c'est un jeu qu'on adore voir en race parce que voilà, il peut y avoir différentes classes, différentes spécialisations au niveau, plein de routes différentes. Et comme vous le disiez avant que ça commence, bah, tous les ennemis sont dangereux, aussi, autant que les boss finalement, on peut mourir absolument partout. Et c'est vrai que voilà, on l'a vu, ça peut être un jeu, qu'importe le niveau, même quand on est excellent, qui peut être très très compliqué. Psychologiquement c'est dur, quand on sait qu'on peut mourir partout, bah on a peur de tout et parfois on hésite, et dans Dark Souls quand on hésite c'est souvent une mort après, mais en tout cas quand même une très très belle race, hein. les performances des trois premiers ont été excellentes et je m'attendais quand même à beaucoup plus de variance, et là voilà, on voit les scores qui s'affichent et là les trois premiers c'est quand même assez exceptionnel. C'est vrai que Melwest, Brotherman et Kushas, on l'a presque oublié, mais ils sont arrivés très très proches les uns des autres. Hein, donc entre 22 minutes 50 et 23 minutes 30, Kushas il arrive peut-être troisième juste à cause d'une mort à un moment sur les catacombes. C'était très 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 serré. Donc entre 204, 203 et 202 pour Melwest, Brotherman et Kushas. Par contre, c'est vrai que Tifa qui finit loin derrière, malheureusement, il est à 179, il est 23 points derrière Kushas en 4ème position. Et ça va être très très dur à rattraper sur la suite. Bah, d'autant plus qu'on sait très bien quelqu'un du calibre de Tifa, c'est rarissime des si grosses contre-perfs. C'est une contre-perf qui arrive à peu près tous les 2 mois. Genre, une contre-perf de ce calibre, c'était Mario il y a 3 mois, enfin, c'était rarissime. Mm-hmm. Ça arrive au mauvais moment, pas de chance, mais déjà il a réussi à. Parce que mine de rien, même quand on est bon, quand on s'est fait infiniser par un skip raté, arrivé à Gaping, je pense qu'on a tous la peur de mourir. Et du coup, il a fallu garder son sang-froid,
Du coup, voici le nouvel ordre. Du coup, Tenkei, l'ordre de ce tournoi. Voilà, donc on a Devil Tifa qui a chuté en 4ème position avec 1781 points. Kouchas qui prend une place et qui est 3ème avec 1790. 4 points devant Brother Main avec 1794. Et Melwes qui est premier, qui consolide quand même une belle avance avec 1805. En tout cas, Twin, par rapport à ce dont nous parlions en milieu de run, là on voyait bien Melwes prendre évidemment une belle avance suite à Dark Souls. Et on va dire Bro et Kusha se rattraper Tifa. Là ils l'ont dépassé parce que c'est allé un peu plus loin que ce qu'on avait anticipé. Par rapport aux dynamiques qui peuvent arriver, qui nous intéressent avant Megaman, Melwest, j'ai l'impression que ce qui peut le priver d'un titre, c'est un accident de son côté, parce qu'avec une run assez standard, j'ai l'impression qu'il est intouchable. Ouais. Donc il y a un point de tension entre Bro et Kusha, très très serré. Et je pense que Tifa, pareil, il peut passer devant Kouchas, mais j'ai l'impression que ce serait quand même, faut faire une bonne run, mais ce serait aussi malheureusement quasiment un accident d'un ou plusieurs adversaires. Bah avec 10 points d'avance, 11 points d'avance même sur Megaman, faut vraiment faire plus de 32 minutes pour Melwest. Ça risque d'être irréaliste en fait, pour vu les performances qu'il a fait toute la saison sur Megaman 2, même s'il a pas fait énormément de tournois. Quand il était là sur Megaman, ça s'est très très bien passé en général. Donc on va voir l'entraînement, est-ce qu'il a payé récemment pour les autres, est-ce que le jeu Nemesis de certains va pas trop les pénaliser. Et puis faut rappeler que sur Megaman 2 il s'est passé pas mal de choses quand même en tournoi, une petite pensée pour Jante, et donc à voir. J'allais dire Melwest, voilà, qui a promis en plus quelques zips qui malheureusement peuvent causer des vrais accidents, on l'a vu. Donc c'est pas ce qu'on lui souhaite. Moi, s'il décide de revenir sur sa décision, je pense qu'on pourrait pas trop lui en vouloir non plus. Mais c'est vrai que ça va être compliqué. Alors Tenkei, on va regarder les PB de nos runners sur Megaman 2. Petit commentaire du coup de ces PB dès que nous les aurons. Merci. Alors voilà, on a Kouchas qui disait qu'il avait une petite faiblesse sur ce jeu. Hein. Il est à 30 minutes 29, 202 points. Brother Main, un tout petit peu devant, 30 minutes 05, 204 points. Tifa qui a un 29, 28, 207 points. Et Melwes qui a quand même une sacrée avance, puisqu'il a un 28, 57, ce qui lui fait 210 points. Ouais, en tout cas, ouais. Là, c'est on voit quand même un tournoi, un tour 2 sur lequel. Ça, c'est au moins pour 3 runners, en tout cas, plutôt bien passé, hormis sur Chippendale. C'est vrai que ça a été. Difficile pour tout le monde sur ce jeu. Megaman, avec un bon Megaman, on peut encore avoir. On a Melwes qui peut prétendre aux 2000 points. Bro également. 210, ça commence à faire sacrément des sacrés scores. Mais c'est feu. Mm-hmm. Ça commence à être difficile pour Kouchas. Mais alors c'est marrant parce que pour ceux qui ont suivi le Décathlon, ça dépend si vous l'avez suivi en tant que runner, en tant que spectateur ou tard. Il se trouve que les runners sont allés beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé, au sens où en début de saison, on se dit. Le jour de l'ultime finale, faut que celui qui passe 2000 décroche le trophée. C'est ce qu'on avait dit day one, hein. Vous pouvez vérifier les VOD. Et en gros, on a été surpris que les gens en grande finale jour 2, il y en ait plein. C'était genre, c'était quasiment le minimum syndical. C'est ce qu'il fallait faire pour être là. Mais avec la pression du live, le setup et tout ça, on l'avait dit, c'est souvent plus difficile quand même de le faire. Il y a encore une opportunité pour Melwest en tout cas, En tout cas, bonne chance à tous les runners. Oui. Je ne sais pas si ça s'était bien passé Megaman 2 à la grande finale jour 2 Tenkei sur Megaman. Pas trop mal, hein, puisqu'on avait Bro qui avait fait un 30-17, Melwest qui était sur un 30-38. Donc pour lui, c'est un petit peu derrière son PB, mais on reste sur une run excellente. Tifa qui avait fait un 31-11 et Kouchas qui était juste en dessous des 32 minutes. Avec un 31-59, donc globalement quand même d'assez bon temps, et tous pas très loin les uns des autres finalement. Alors Twin, est-ce qu'on va voir peut-être de Melwes la strat, le routing le plus rapide? Ah ben oui, c'est ça qu'on veut, le routing le plus rapide. On va voir tous les zips, mais surtout le fast air ou pas, c'est ça la question. Au tout début, est-ce que les runners vont aller voir Airman, ou est-ce qu'ils vont au début voir Hitman? Je pense qu'on n'en verra pas, mais je suis prêt à voir tort, j'espère en tout cas. Moi je serai à la place de Melwest, je me contenterai du minimum syndical, mais après, faut voir. Il y a aussi la gloire, la vidéo, ça sera en VOD après donc. Est-ce que vous voulez que Melwest fasse le fast air? Question trop facile.
Mais c'est ça qui est drôle. Quoi qu'il en soit, on va se regarder le clip de Mega Man 2 et la race débutera très peu de temps après. À tout de suite. La relance, meilleur jeu du monde, en tout cas jeu qui a été beaucoup apprécié, personnellement un de mes speedruns préférés, en tant que runner, en tant que modeste runner que je suis. En tout cas, est-ce que nos runners sont prêts? On c'est a 4 petits pouces, et surtout le public, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous encouragez nos runners? Ben, je pense qu'on va pouvoir y aller, en tout cas, dernière épreuve Megaman 2 de Zip ou pas Zip. De ce Décathlon Ultime Final numéro 4 qui clôt cette saison incroyable avec tous ses joueurs. Le dernier jeu dans quelques instants. 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti. Tout le monde priait pour le beau jeu. On commence par Flashman, évidemment. Ah, les oiseaux chez Tifa, c'est bon, c'est gagné. En tout cas, on rappelle hein, Megaman, un jeu en deux phases, un jeu dans lequel on va combattre 8 robots tenaces au début. Quand on les tue, on leur prend leur arme et ensuite il y aura les niveaux de Willy beaucoup plus linéaires. Mais c'est vrai qu'en speedrun, même cette première partie dans laquelle on est un petit peu libre, finalement elle est linéaire aussi en speedrun. C'est juste en gros, est-ce qu'on fait le routing optimal ou le routing un peu moins optimal, comme disait Twin. Ça se joue après ce Flashman qui est le niveau de chauffe du speedrun. Oui, c'est un peu comme le premier niveau de Mario. Là, pour l'instant, on s'y met, on revérifie que les touches sont bien bindées. On n'oublie pas qu'il faut pas trop sauter dans Megaman 2. Il faut surtout bien connaître les déplacements, bien optimiser. Il y a énormément de micro-optimisation. Hein. Il y a pas mal de similitudes avec Zelda. Melwes qui drop une vie chanceuse ici. C'est cool. Et puis ensuite, voilà, bah, il faut réussir les petits sauts bien droppés. Voilà, c'est fait. Et puis les combats de boss vont être pas mal déterminants derrière. Tout à fait, on va commencer par un Flashman qu'on va essayer de tuer le plus rapidement possible. Alors l'arme de Megaman, c'est une arme standard, elle est bien contre tous les boss sans être exceptionnelle. Et après quand on va récupérer d'autres armes, on va avoir justement des armes exceptionnelles pour vaporiser des boss. Ce sera pas forcément le cas pour les premiers boss que nous verrons en tout cas dans ce speedrun. Car Twin, plus que les armes de boss, ce que nous cherchons ce sont les items 1, 2, 3 pour faire des zips. Exactement, on va avoir les items... L'item 1 qui est une plateforme qui vole, l'item 2 qui est un skateboard et l'item 3 qui grimpe les murs. Et voilà, vous passez à la télé messieurs, profitez-en. On a 40 secondes hein, de dialogue à chaque fois quand on récupère la nouvelle arme et les items, donc on peut en profiter. C'est la dernière fois qu'on voit Megaman 2 en ultime finale. Malheureusement... On le reverra que peut-être dans 10 ans pour les Master Series, quand on appellera tous les champions des éditions précédentes, nos 40 champions. Pardon, c'est un circuit fermé. Nos 15 champions sur 40 éditions. Allez, c'est là que tous se jouent. Tout le monde. C'est maintenant que tous se jouent pour les oiseaux. On va sur Herman pour tout le monde. Melwest, j'ai l'impression... Ça joue le tournoi, en tout cas, pour Melwest. Et oui. Ça fait pas le faster, mais c'est voilà, c'est pas surprenant, c'est la bonne décision, je pense. Ça fait gagner une dizaine de secondes pour une prise de risque énorme. Ouais, c'est clair, c'est très très difficile. Là, on est vraiment dans du platforming pur, très punitif avec ses trous. Oh non ! Oh non ! Incroyable !
Ouais, il y a eu le petit dégât, le saut un peu tôt. C'est la fatigue peut-être, les 10 jeux à la suite ici à Valenciennes. Ouais. Mais c'est vrai que... Mais c'est parce que ouais, c'est vrai que... Oh, attention. Allez. Est-ce qu'ils vont faire du coup... Ah, on a des gens très enthousiastes. Allez, gens, dont on reconnaît la douce voix dans la salle. Attention, voilà, les pause buffers, meilleur pause buffer de l'histoire du jeu vidéo. Le pause buffer de Mega Man 2 qui permet d'étendre ses sauts plus loin, c'est magnifique. En tout cas, on rappelle, Melwest a une belle avance, mais entre Bro et Kouchas, en tout cas au minimum pour la seconde place, première en cadérant de Melwest, mais qui serait une erreur vraiment... possible mais très improbable, mais faut tout donner pour Bro quand même. Ouais, évidemment, on prend beaucoup de hits volontaires dans Megaman, la vie dans Megaman 2, la vie, la barre de vie est très grande. Le mashing pour tuer les ennemis vite, c'est voilà, essentiel, et éviter aussi de récupérer de la vie parce que ça frise l'écran, tels les champignons de Mario. Et voilà, attention Melwest quand même, pas tomber. Ah, les oiseaux qu'on n'est pas censé voir, il faut vraiment les tuer avant que les œufs touchent le sol. Allez, on est à R contre Herman pour Bro, le combat commence, puis Kouchas, et c'est enfin Melwest qui arrive à Herman. La RNG assez importante sur ce boss, suivant les patterns qu'il fait, il est plus ou moins facile à toucher. Voilà, Melwest qui rattrape un petit peu avec un meilleur boss. Et la mort de Tifa qui aura finalement pas été si punitive que ça. Faudrait pas remourir par contre, parce que le nombre de vies est quand même limité dans Mega Man 2, sauf quand on en drop partout comme Melwest. Hein. Allez, c'est parti. J'adore justement ces jeux, où ces speedruns en tournoi où il y a des petites pauses, parce que justement, on peut voir le visage très concentré de nos runners avec leurs petits casques. On voit... un petit peu d'excitation chez Kouchas, en tout cas, on gigote. Il nous entend, c'est parfait, on peut communiquer. Allez, voilà. Le niveau suivant, ça c'est Hitman. C'est parti. Allez, Hitman, un niveau qui est peut-être un des niveaux les plus difficiles, Twin, des premiers niveaux quand on joue normalement, et même en speedrun, des fois, si on n'est pas concentré, on a vite fait de glisser. Oui, alors tout contrairement à Herman, il n'y a pas de vide par terre, mais il y a de la lave qui a exactement le même effet. Et il y a le retour de ces blocs qui apparaissent et qui disparaissent, qui sont assez chers à la licence. Mais chez Brotherman, on utilise un petit item 2 ici pour monter les menus, très important, il faut qu'il soit... Et on va voir Twin, notre premier zip. Le premier zip. C'est parti, on va rentrer dans ce mur grâce à cette plateforme. Les meilleurs zips de l'histoire de jeux vidéo, et c'est passe. Prêt pour Brotherman, c'est fait pour Kouchas. Juste derrière pour Melwest. On se set up. Non, par contre, faut que la plateforme aille un peu plus bas. Tifa qui va pouvoir rattraper Melwest. Ah, c'est fait pour Melwest. Ah là là, un peu Tifa. Précipité Melwest, attention. Ah, c'est bon. C'est bon. On rappelle, hein, cette plateforme qui nous pousse dans le mur, car on abuse en gros une détection de collision. Parce que le jeu regarde la position de la plateforme, le centre de la plateforme, au lieu de regarder un petit peu notre personnage, et du coup, on abuse habilement de cela. Et une fois glissé dans le mur, un petit input de saut ou de tir, et la direction opposée à laquelle, à celle où on va. Voilà. On essaye d'avoir de la chance, meilleur RNG de boss. Pour ces patterns à chaque fois, il y a un tout petit soupçon d'aléatoire dans Mega Man 2. C'est fait pour Brotherman, c'est fait pour Kouchas. Melwest qui arrive juste après Tifa. Pour l'instant c'est très serré et c'est normal, c'est pas maintenant que ça se joue. C'est un combat sur lequel il y a un petit peu de RNG, donc en gros le boss a une animation plus ou moins rapide pour attaquer. Ça on n'y peut rien, c'est justement pas de notre fait. Et c'est terminé pour Melwest. Allez, on récupère notre dernier item, l'item 1, qu'on va utiliser de nombreuses fois après, surtout pour le niveau de Willy, mais aussi pour rentrer dans les murs. Vous verrez le Woodzip dans quelques instants. En tout cas, quand ça fait partie des items pour lesquels il y a vraiment le plus grand nombre de zip, le 1. C'est vrai qu'il est très très souple en termes d'utilisation. On peut en avoir jusqu'à 3 à l'écran, contrairement justement au 2 ou au 3,
qui est sur ce point-là d'ailleurs assez contraignant. Crash Man. Les oiseaux. Allez, Crash Man, c'est parti. On va zipper immédiatement, équiper son item 1 tout de suite. Les dégâts volontaires, évidemment. On ne verra pas le TAS Crash aujourd'hui, mais... Oh là, peut-être le temps de rentrer quand même. Ah non, dans non, le... non ça oh, sent... le zip raté. Ça sentait, le setup avait l'air un peu approximatif et la chute, malheureusement. Du coup, c'est Kouchas qui est devant. Kouchas qui, on le rappelle quand même, est à 1990. Il est 4 points derrière Bro. 1 point toutes les 12 secondes. Ça fait 48 secondes. Et Mel West pour le zip. C'est bon. Tifa est en train de zipper aussi. Ce que vous voyez est tout à fait normal. On dépasse le checkpoint. Et on se suicide pour réapparaître dans le niveau réel, dans le monde réel des vrais petits robots. Et voilà, utilisation d'item 1 pour grimper plutôt que les échelles. Bon, la deuxième partie du niveau qui est assez standard. Et quand même, voilà, des petites optimisations avec, pareil ici, l'item 3 qu'on positionne habilement. On n'aime pas monter ou descendre des échelles dans Mega Man. On lâche les échelles et on utilise un maximum les plateformes pour s'éviter ces animations qui sont fort lentes. Ouais, les positionnements d'items 1 chez Mel West un petit peu approximatifs et on utilise ici les items 3 pour les transitions d'écran. Allez. Quand j'étais petit, j'ai toujours trouvé cette tour fort haute en tout cas. C'est vrai qu'il y a de nombreux écrans où il faut grimper. Et surtout, il y a plusieurs échelles et il n'y en a qu'une seule qui est la bonne. C'est assez fourbe quand même quand on y pense. On arrive sur le boss pour Kouchas, un boss qui... meilleur one shot, voilà, si on y arrive, on encourage Kouchas. Allez. Ah non. On va y arriver en deuxième chez Devil Tifa, juste derrière chez Mel West, et enfin chez Brother Main. Oh, voilà. Le one shot. Ouais, ah. 50-50. C'est 50% de chance le one shot de Crash Man, c'est normal. Et on se dirige vers Quickman, il y a une vie au tout début du niveau. Mel West devrait pas en avoir besoin, Tifa en a absolument besoin. Et Kouchas et Brother Main ont le choix. Parce que c'est vrai que quand on fait, il y a des zips, notamment celui de Crash Man, on a perdu une vie. Il y a le Wood Zip qu'on fera plus tard qui nécessite de perdre une vie. Et c'est vrai qu'en race, on a tendance à prendre cette vie pour sécuriser. Parce que ça veut dire que si on perd la moindre vie, on peut plus faire ses zips. Et on perd quand même pas mal de temps. Ah, c'est même pris chez Mel West. Ouais, non, mais... Il a plein de vie. Il joue le tournoi là. Il joue le 99 vie. Allez, ah, on suggère 4 e-tank. Allez, le zip. Avec le petit droit de gauche pour allumer la lumière. C'est bien fait. On utilise Flashman pour plus tard. Voilà. Et on va zipper chez tout le monde, c'est standard le zip de Quickman. Flashman qui sert à arrêter le temps pour pas se prendre un laser dans la tronche. Ok, ils l'ont tous réussi. Il restera le boss, faut aussi l'arriver avec eux. Ça va, là, pas mal de vie, ils sont plutôt pas mal. Le petit hit ici sur ses ennemis de fin, c'est Pipède. On va utiliser Crashman, évidemment, les bombes qui sont très efficaces contre Quickman. On prie pour encore une fois un bon pattern. Le boss qui fait un saut à la bonne hauteur pour se faire vaporiser. Et il va falloir avoir... Il y a toujours un petit peu de chance dans les boss. On voit ce qui va se passer chez Kouchas. Non. Ah, on a un mee donc. Voilà, le petit saut. Attention à pas mourir quand même. Dernier hit. Ah non. La crash bombe, attention. Oh, c'est oh bon. Chez Mel West, c'était le bon pattern, c'est fait aussi. Allez. Ah, et même pattern chez... Ah là, c'est beau ça. Et chez Brother Main. Allez, c'est bon. Je pense que Kouchas, à un moment, s'est vu mort. Je... Oui. Ouais, il confirme. Allez, Metal Man, Kouchas, toujours en tête. On reste concentré jusqu'au bout. Là, il reste une vingtaine de minutes de run. On a un zip assez standard que tous les débutants speedrunners de Megaman apprennent. Que il faut réussir les meilleurs ratent parfois. Quand même. Allez, on peut zipper ensuite. Celui-là est assez tranquille. Une fois qu'on a réussi à se glisser dans le mur, et on va Tifa,
le fait aussi. On a un autre zip après, mais que nous ferons sans doute pas nos runners. Enfin, il fait gagner vraiment très très peu de temps, donc on peut se dispenser de la prendre. Et surtout, il y a un item 2, un petit truc avec votre super overboard là qui va être très intéressant. On va le mettre et on va passer tout le niveau, voilà. Regardez, en sautant avec des sauts on va passer bien précis. Par-dessus. C'est vraiment bien ça. Comme ça, on c'est s'en bien passé. Pas avec le platforming d'en bas. Le speedrun, c'est une activité de fainéant. Moins on en fait, plus on est content. Tant que ça va vite, évidemment. Allez, pour Kouchas, on arrive sur le boss avec Quickman. Le boss qui va rien avoir le temps de faire en théorie. Voilà, il faut laisser, on rappelle, l'arme de Quickman qui a une sorte de turbo intégré. Tant qu'on n'appuie pas sur un input pendant le combat contre Metal Man, celui-ci ne bouge pas. Et c'est réussi. Ouais, ça se passe très bien chez les trois runners, Brother Main, qui arrive. Et voilà, meilleur boss qui ne peut même pas bouger. Et qui donne la Metal Blade, donc c'est quand même un super boss. Allez, c'est parti. Bubble Man pour Kouchas, pour Mel West. Là, il y a deux écoles. Woodman pour Tifa. Allez, Goodwood pour Tifa, pendant que Kouchas et Mel West font Bubble Man d'abord. Attention, pas tomber du skateboard. Allez. Tifa, du coup, qui va être le premier confronté au Woodzip, qui, on le rappelle, un des trucs les plus impressionnants du speedrun de Megaman. Bien que n'étant pas le truc le plus dur, mais faut quand même y a un sacré apprentissage, ça s'improvise pas le Woodzip. Faut l'avoir bien en tête, on va utiliser Flashman ici pour que les monstres n'apparaissent pas. Ah, Kouchas pas confiant sur son zip, qui se reset up. Et ça passe pour Mel West. Ouais, Mel West qui prend la tête grâce à ça. Et Tifa, on va regarder son zip. Allez, le Woodzip. Allez. Donc là, c'est une série de zips d'abord d'éjection. Et ensuite, on marche dans le vide. Petit saut. Voilà, pas oublier les sauts sinon on tombe. Et ensuite, on va attraper une échelle qui n'existe pas, utiliser Quickman, voilà, pour déclencher un zip. Voilà, ça passe. C'est bien. Le truc le plus stressant du Woodzip était là maintenant. Trois petits sauts, on accroche l'échelle. Et ensuite, on va utiliser l'arme de Hitman pour éviter un temps de chargement. Regardez, on meurt, on décharge l'arme, ça passe bien. C'était bien fait. Pendant ce temps, la Bubble Man est mort chez Mel West. Il est mort aussi à l'instant chez Kouchas. Woodman, c'est plutôt une formalité avec Hitman. Allez, on concentre le tir et c'est bon. Il y a beaucoup de one-shot finalement dans Mega Man 2 quand on y pense. Allez, on lance Woodman côté Mel West. Côté Kouchas aussi. Allez, on est parti, le petit skate. Qui montre que du coup Mel West va faire le Woodzip, puisque quand on ne fait pas le Woodzip, il y a un endroit plus optimal pour utiliser ce skate que les gens n'ont pas toujours appris, parce que c'est vrai que la plupart des gens apprennent le Woodzip parce que souvent les gens sont très contents sur le chat et que c'est cool. On fera un straw poll pour voter pour la meilleure musique de Mega Man 2. Et Mel West qui va arriver au Woodzip. Allez, on y arrive, on positionne l'item 1. Allez. 3 sauts. Timé en haut de l'écran. Petite éjection ici. On se laisse tomber. Et de re ici. Attention à pas tomber ici avec le pause buffer. On rappelle un petit saut. Le pause buffer qui permet justement de faire des sauts en longueur, puisque la vitesse est remise à 0, la vitesse de chute. Et ça passe. Ouais, c'est bon. Et les derniers zips verticaux. En général, quand on en est là, le plus dur est passé. Et il suffit de mourir. Bravo. Hein, on rappelle, hein, le Woodzip, si on le rate, si on oublie de mourir, en fait, on se retrouve paralysé dans un vortex sans fin. C'est quasiment
Le pire moyen. Ouh là là, ça. C'est plus just pour Bro, mais ça passe. Donc pour Mel West, on va arriver à Willy passer cette cinématique. Allez, Bro! Ouais, donc Tifa qui bat Bubbleman, Kouchas qui bat Woodman. Tifa et Kouchas qui ont fini vraiment en même temps. C'est Mel West qui a un tout petit peu d'avance avec les meilleurs sourcils de l'histoire de jeux vidéo. Et Brotherman qui finit Woodman. On aura des stands de karaoké à l'UD5. Voilà. Ah, c'est plus hésitant quand il y a. Il faudrait que se répartir les voix et vraiment travailler pendant très longtemps. Y a-t-il un directeur de chœur ici pour qu'on bosse pour la saison 5? Allez, on évite le dentifrice avec ses petits oiseaux. Attention, Mel West. Menuing hésitant ici. C'est vrai qu'à partir de là, Twin, les niveaux de Willy sont les niveaux les plus décisifs, car contrairement au niveau d'avant, il y a une vraie réflexion sur l'utilisation des items 1, 2, 3 et des stratégies de secours si on patine un peu et qu'on les utilise en trop. Ouais, on va pas récupérer. Oh, attention! On va pas récupérer les items entre les niveaux, donc on peut pas simplement les dépenser à tout va. Il faut vraiment savoir exactement avoir une utilisation voilà, réfléchie, comme tu disais. Maîtriser parce que chaque utilisation d'item bah, va peser sur la suite. En particulier, on pense à Willy 4 qui est très très demandeur en nombre d'items. Rien que pour battre le boss, il faut avoir des ressources. Allez, le zip peut-être. Non, ça joue trop sage chez Mel West. Mais c'est bien, hein, c'est bien, hein, c'est jamais, jamais une critique. Voilà, de l'avance pour Willy 6, c'est ça qu'on veut, effectivement. Alors, le dragon, on sait que les puristes, il y en a dans la salle, ils vont dire, ah là, il y a moyen d'être plus rapide en allant vers le bas, mais c'est un petit peu plus risqué. Y a-t-il des puristes du dragon dans la salle? Kouchas qui est pas très très loin non plus. Il est juste derrière, ouais. Sprite très impressionnant pour un jeu NES. Tellement voilà. Impressionnant qu'il y a on rien derrière. On voit pas très longtemps. Hein. En speedrun, on respecte pas les beaux sprites. Brotherman juste derrière. J'ai toujours peur parce qu'il y a un carreau qui glisse en fait dans le dragon. Et le moindre hit, c'est quasiment la mort quoi. Allez. Voilà. C'est Brotherman. Tifa qui va zipper. Ah non, Tifa qui va tomber apparemment. Hélas. Mel West qui regardait un petit peu l'état de ses items pour savoir s'il. Du coup, il reprenait. Et voilà, il va recharger le 1. Mel West qui joue le tournoi, du coup, on recharge l'item 1 et on met l'item 2 ici par-dessus les pics. Ce que fait Bro également. Le Kouchas, pardon. Le petit e-tank. Et Tifa qui est parti pour se recharger, qui utilise son e-tank. Ah, on rappelle dans le jeu, quand vous avez 4 e-tanks, vous voyez la vraie fin. Le true ending. 4 e-tanks. Ce serait marrant qu'il y ait un Hadouken quand on a tout récupéré. Allez, c'est parti, on utilise Flashman là où il y a les gaufres, là, les espèces d'épis de maïs. Et du coup, là où d'autres joueurs vont peut-être utiliser Woodman. Ça veut dire que là on va utiliser l'item 3, on va monter et ensuite on va prendre des dégâts pour passer à travers ses presses. C'est la strat rapide mais elle a le désavantage, on prend des dégâts. Ah non mais Mel West. Ouais, Mel West il joue safe ici. Voilà, juste attention un petit dégât à pas mourir fin. Quand même. Ouais, c'est voilà. Bon. Il peut se prendre un hit de boss là donc c'est pas mal. Un hit de boss, on est quasiment à 100%, ouais, c'est bon. Ouh, attention les pics, par contre ça c'est le one shot à 100%. Faut vraiment pas se faire toucher dans Megaman. Tifa qui arrive du coup au dragon. On lui souhaite bonne chance au cas le dragon. Parce que même si c'est simple, le stress fait que le dragon c'est toujours un moment qu'on déteste dans speedrun de Megaman. Par contre on a peur à chaque fois. Ah, on peut toujours glisser hein, donc. Oh oh oh, attention, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh là là là. Non. Oh, ah, le dragon. Ah.
Allez, on se concentre pour le Mel West qui termine le boss. Ah oui, du coup, il est embêté. Tifa, il est mort à l'endroit où, du coup, il va avoir besoin de farmer. Il a, du coup, son item 1, il l'a trop utilisé. Normalement, il a assez pour passer. Normalement, il a assez. Il y a des recharges au début du niveau 2 et du niveau 4. Donc, c'est pas nécessaire de farmer maintenant. Après, il va être nécessaire de récupérer des munitions à un moment ou un autre. Allez, Willy 3. Mel West en premier. Kouchas juste derrière. Brotherman juste après. Allez. Willy 3, le niveau avec des pics, avec les petits oursins. Le niveau le plus court du jeu. Un des niveaux le plus court si on exclut effectivement le dernier. Enfin, le Willy 6 et le boss rush qui sont un petit peu particuliers. C'est vrai que c'est un niveau où il n'y a que 3 ennemis et un boss finalement. C'est très très bizarre. C'est assez vide, mais c'est vraiment sur l'idée du droite-gauche au milieu des oursins qui est construit ce niveau. On dirait un niveau qui a été fait par un autre Megaman, genre une sorte de Megaman post-apo. Et puis ils l'ont pas sorti, donc ils ont dit au Megaman 2 il manquait un niveau. Allez hop. C'était... Allez Tifa sur le dragon, voilà c'est fait. Et Mel West sur le Guts Dozer. Voilà, en dessous, c'est parfait. Allez. Allez. Ouais, c'est bravo pour Brother Main aussi. Allez, concentration, on arrive sur Willy 4. Tifa qui recharge évidemment dans son routing, il a le sang-froid, il sait que il faut recharger l'item 1, ce que va faire Mel West aussi, on recharge un peu. Je sais que même quand on a de l'avance, on a peur de mourir à Willy 4, qui est le niveau le plus punitif qu'on a. Même quand on l'a fait plein de fois, on sait qu'il existe une chance où on est un petit peu déconcentré. Échelle très difficile à prendre, la plus dure du jeu. Meilleure échelle. Mais c'est vrai, là, en particulier avec cette contrainte pour tuer le boss où il faut absolument tout... Ah, le joli zip qui passe. Cette contrainte, il faut toutes les crash bombes pour pouvoir tuer le boss ou avoir des manipulations très précises de placement et de transfert de dégâts. Oh, les petits zips, le show. Il est bien Mel West, là. Il est vraiment bien dans sa run. On utilise les mains pour passer. Là, pas le choix que d'attendre. Mais Bro et Kouchas sont pas loin derrière. Ouh, c'est pas grave. On rappelle un Bro Kouchas. Bro 1794-1790. Pour Kouchas, il n'y a que 4 points d'écart entre les deux. La deuxième place de cette finale pourrait se jouer en tout cas sur cette fin de run, et notamment sur Willy 4 entre Bro et Kouchas. Allez, c'est bien pour Mel West. Le petit pause. La petite pause pour pouvoir passer, les sauts bien exécutés. Allez le zip. Ouais, attention, ah, mais pas zippé très très loin là. Voilà. On repasse sur la strat principale en tout cas. Tant pis pour le zip, se dit Mel West. Pas beaucoup de vie. De dégâts. Voilà, il a un e-tank, tout va bien. Et voilà, 4 vies, et puis la même de recharge de là, c'est over safe. Et côté bro, on zip par contre. Voilà, c'est bon. On a Kouchas qui a fait exactement la même chose en même temps. Du coup, ils vont prendre de l'avance, ils vont dépasser Mel West. C'est là qu'on voit que ce zip est quand même cool. Ouais, ils vont passer devant Mel West, les deux. Ouais, il est vraiment, vraiment très très bien ce zip. Allez. Ouais, Bro et Kouchas qui font exactement la même, le même boss. Mel West un petit peu derrière. Mel West qui tente même pas le transfert de dégâts, il y va safe. Là on va arriver du coup sur le boss rush, un boss... du coup on a tous les boss de la première partie du jeu qui sont là. Il y a leur faiblesse, normalement c'est vraiment une formalité.
Le seul cas où c'est plus embêtant, c'est si vraiment on a plus les armes, mais théoriquement on n'est pas censé avoir cramé les armes des boss arrivé là, à part Crash Man. Ah, c'est vrai que le boss rush, formalité avec les bonnes armes. Tifa au tank. Allez, normalement deux petits sauts, deux conforts, boum, c'est fini pour Tifa. Ah, ma couchasse qui n'y arrive pas. Prendre Quickman là, ça dure un petit peu trop longtemps. Chez Bro contre Herman, ça passe bien. C'est Brotherman qui repasse premier. Hitman, maintenant avec l'arme de Bubble Man. Ça va être deux hits avec les bulles. Un petit et un deuxième. Ils sont vraiment hallucinants les dégâts contre les boss dans Mega Man 2 en mode normal. Ouais, mais c'est le côté un peu puzzle de Megaman quoi. Si t'as trouvé la bonne arme, tu démolis ton adversaire. Il y a un peu ce concept qu'ils ont après amoindri dans les opus d'après quand même. L'échelle capricieuse. Et là, sans doute le meilleur one shot, Metal Man contre Metal Man. C'est absurde. Et Flashman, voilà. Voilà. Et là, c'est donc Brotherman qui arrive en premier au boss, la Willy Machine en deux phases. Il va faire utiliser la strat du Metal Man sur les deux phases. Boss Twin qui est très très dur. Dès qu'on a plus l'arme de Metal Man, si on y va au Buster, c'est un boss qui devient beaucoup très très dur. Hallucinant avec le Buster Only, il est très 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 compliqué. Ça s'est bien passé. Et Brotherman qui arrive sur le dernier boss. Non, mais c'est pas la peine de faire le zip, on se bat pour la deuxième place. Bah c'est clair, on se bat pour la deuxième place. Oh là là. Non. Oui, alors il y a des gens qui sont en train de dire non, je veux quand même la troisième place, je veux terminer le jeu. Ne vous inquiétez pas, Mel West est là, il y arrive, on va avoir Mel West. Mais Mel West le frappe pas. Mel West l'a dit, oh Kouchas aussi. Ou pas. Alors, c'est pas le moment de perdre l'ultime finale sur un zip quand même, hein. Attention, le zip 100%, on y va, case par case. Ah, Kouchas qui est pas passé. Voilà. Allez Bro. Et Bro qui finit. Bravo Mel West. Allez, attention le boss. Faudrait pas se faire toucher par le boss qui enlève quasiment toute la vie en un coup. Allez. Oh, attention quand même. Attention, ouais. Faut se faire toucher par son tir idéalement. Allez, oula. Oh là 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 là, c'était risqué ça. Voilà, c'est fait. Boss rush. Allez. Herman. C'est vrai qu'il est très difficile à battre avec l'arme optimale. Finalement, c'est quasiment plus confort de le tuer au Buster. S'approcher de lui avec l'arme de Winman n'est pas une chose aisée. Allez. Un tir de Buster, deux bubules. Normalement, formalité ici aussi. Et on termine proche de la sortie. Évidemment. Même idéalement sans prendre la vie à chaque fois, on peut s'en passer. Hitman pour Woodman et on finira tout avec Metalman. Le one shot qu'on avait déjà vu. Allez, Tifa. 4 hits de Metalman suffisent. Alors on se revoit ce combat quand même. Allez.
Oh là là. On dirait un combat de shonen où l'ancien boss est là, tu dis non, t'arrives trop tard. Allez. La Winnie Machine. Avec Metal Man, voilà, pas de soucis quand même. Allez. Et voilà. Plus que Willy 6 qui a donc il reste du coup, c'est le dernier niveau qui est normalement une formalité. Verra-t-on le zip une dernière fois cette saison? Je ne pense ouais pas. Ah si, Tifa. Pour le show, il a tout juste de quoi le faire. On a eu 75% de zip. C'est pas grave. Reset. Allez, on va combattre le boss. C'est bientôt terminé. La fin de cette ultime finale sur ce combat contre Willy. Ah non, l'alien, pardon, excusez-moi. Oh, incroyable. La fin devrait être tirée de manière random en fait. C'est ça. T'as un paquet surprise, t'as l'alien, parfois t'as un truc pire. Juste, il devrait y avoir plein de sprites. Ah oh là là, très très vite. On va, pendant que les gens notent les scores de cette race de Megaman, Tenkei, qu'as-tu pensé du coup de cette race Megaman? Bah, une race extrêmement disputée hein, jusqu'à la fin. Mel West était devant, Brothermane repasse devant, même Kouchas au tout début qui avait quand même une belle avance. Donc ça a été très 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 disputé jusqu'à la fin. Les scores sont tous excellents, globalement un petit peu meilleur que ce qu'il y avait eu à la grande finale jour 2 ou en tout cas dans ces eaux-là. Donc un très très haut niveau. Et pour le dernier jeu, de toute façon, on en attendait pas moins des runners. C'est vrai que c'était extrêmement disputé. Il y avait des accidents de Tifa qui l'ont mis très vite hors course. Mais pour le reste, c'était vraiment très chaud. Et c'est Brothermane finalement qui finit premier alors qu'il était donné un petit peu en deçà du niveau des autres. Donc sans doute une de ses meilleures races en tournoi sur Megaman. Sur Megaman, ouais, c'est largement possible. Il avait fait non une fois un 30, il avait fait une fois 30-17, c'est sa meilleure perf, il a quasiment réitéré l'exploit, sa meilleure perf c'était en GF2, et là 30-24, c'est à peu près le même calibre, ouais, à quelques secondes près. C'est quand même le même type de performance, les résultats sont bientôt notés, ça doit être le cas je crois. Donc Tenkei, les résultats de cette race Megaman. On a Tifa qui est 4ème avec 34-14 et 183 points. Kouchas 3ème, 197 points, 31-26. Mel West qui est 2ème avec 202 points, 30 minutes 36. Et Brothermane qui a fini quand même premier, 203 points, 30 minutes 24. Bah vous pouvez les applaudir en tout cas. Et donc maintenant, le moment du résultat avec les scores qui vont s'incrémenter. Nos quatre finalistes de cette quatrième finale du Décathlon. Voilà. Les 202 points de Mel West. 202 points pour l'amener à 2007. De Multifa avec 1964. Pour Brothermane, on est à 1997. Et Kouchas à 1987. Vous les applaudir. Et ben bah, à chaud, on va dire à nos runners bah, déjà de venir. On va commencer par le quatrième du coup, Tifa 1964 points qui nous rejoignent. Devil Tifa. La deuxième partie du tournoi, on a vu, en tout cas, était difficile. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'en es remis là? C'est bon? Oui. Bon, forcément un peu déçu parce que après avoir passé tout ce temps à faire des erreurs comme ça, j'étais un peu déçu.
Ouais, mais hormis ça, sinon les deux premiers jeux s'étaient bien passés, Mirror's Edge, Kororin, et c'est vrai que le... ça a été sur Dark Souls. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai déjà connu des boucles comme ça, ce qu'on a dit. On a, bon, moi le cas, je compatissais beaucoup. Oui, en plus, j'essayais de réfléchir à une backup. Je me disais, bah, du coup, je vais peut-être, vu comment je galérais, repasser en haut par Taurus pour aller. Et je me suis dit, ouais, mais j'ai pas la clé. Donc, mais on continue. Ouais, et ben en tout cas. Du coup, quand même content de ta saison et quand même content du coup de ta participation. Ah oui, 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 toujours. Hein. Tour. Content que ça soit fini quand même, d'y jouer à la suite, comme ça c'est éprouvant, même si tu l'as fait de nombreuses fois. Non, non, c'est toujours cool à faire. Après, ça dépend des jeux. Mais c'est vrai que là, les jeux étaient quand même particulièrement difficiles parce que c'était toute l'optimisation, la concentration était à fond tout le temps. Oui. C'était par rapport à l'UD3 et l'UD2, comme tu les as fait, c'était plus dur, plus facile. C'était... Enfin, les points étaient plus simples à obtenir, mais il y a certains jeux où c'est très très punitif. Par exemple, Dark Souls, si j'étais mort une deuxième fois avant d'avoir récupéré mes âmes, bah, je sais pas comment j'aurais fait. Il y avait ce facteur-là à nombreuses reprises. T'as quand même fait un... Enfin, t'étais premier après Chip and Dale. On y a cru à un moment, la troisième fois de suite. C'était une super saison, Tifa. Oui. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez tous été malmenés, parce que chacun a eu son jeu, ou au moins son jeu avec un gros accident. On savait que ça allait être des... On n'était pas à domicile, Valenciennes, ville qu'on ne connaît pas, sur des ordinateurs qu'on ne connaît pas. Vous avez tous eu une contre-paire sur un jeu, ce qui a fait du coup un tournoi intéressant à suivre parce que c'était énormément en Dancy. On n'avait pas quelqu'un qui faisait du surf devant, qui était là, c'est trop cool. Et là, c'était du coup, il y a eu pas mal de gens qui ont été premiers. Vous avez tous été premiers en tout cas à un moment du tournoi. Vous avez tous occupé toutes les places, je crois. Vous avez tous été premiers, deuxième, troisième, quatrième à différents moments. Et en tout cas, ce qui est agréable, c'est que bah, même là, une fois que cette ultime finale se finit, c'est que demain, tu vas être spectateur, tu vas pouvoir profiter des show matchs que l'on verra demain, et j'imagine que c'est un plaisir du coup, plus détente, en tongs. C'est ça, pouvoir me poser sur le fauteuil confortable. Mais justement, moi je voulais savoir s'il y avait, si t'avais pas été à l'ultime finale, s'il y avait un jeu que t'aurais vraiment eu envie de runner demain justement dans le show match. Spelunky. Ah. Trials aussi. Spelunky, Trial, Metroid et DuckTales. Tous en fait. Tous en fait, ouais c'est ça. Presque tous. Mais... Tifa, c'est notre backup en fait, parce qu'on fait un show match. Si quelqu'un se blesse, il peut remplacer les gens au pied levé, donc il est là comme ça. Tifa, quelqu'un s'est blessé, il faut que tu le remplaces. Et ben encore, en tout cas, bravo. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, David Tifa. Et Tifa. Et là, on va accueillir du coup le troisième de cette quatrième finale de l'Ultime Décathlon. Kouchas, 1987 points. T'as le sourire en tout cas, comment tu te sens? Super bien, c'est super, c'est fini, ouais, voilà, donc ça c'est cool. On va pouvoir faire Dark Souls en casu maintenant, c'est super. super décal, et on s'est trop marré en tant que joueur, le public était incroyable, la réal superbe. Donc un super moment. Forcément un peu déçu de mes performances. C'est vrai que j'aurais pu, voilà, j'ai fait plus de contre-perf que les autres. Cet accident incroyable et triste de Tifa sur Dark Souls, un truc qui pouvait arriver qu'une fois sur un million, quoi. C'était inimaginable. J'aurais été dernier et c'est logique vu mes scores. J'espérais revenir avec le pentabé. J'ai pas réussi, voilà, mes doigts se sont écroulés, ça arrive, moi aussi je t'aime Joe, voilà. Et du coup demain aussi tu vas profiter, tu vas prendre ton petit fauteuil avec marqué Kouchas. D'ailleurs c'est cette édition, j'ai pas vu tes fans avec des lettres comme on avait pu voir au cinéma. Mais où sont-ils passés? Où sont les pancartes? Celui qui avait fait la pancarte, il est ici dans le public, mais il a pas ramené sa pancarte. Il y a Trinix aussi, que je salue. Mon fan number one qui a cru en moi alors que personne presque ne pensait que je pouvais me qualifier ici, je l'ai fait. Il y avait quand même des gens à y croire, tu fais partie du top 9, c'est pas non plus.
les limbes oui, du top sûr, 10 quoi. Les limbes du classement. Mais voilà, à chaque fois les Stropols me donnaient un peu de beaucoup derrière. Et puis bon, donc voilà. Et il est pas venu avec la pancarte, mais je sais que dans son cœur il l'a. Et je la vois. Ok. Et eh ben en tout cas, c'était un grand plaisir. En tout cas, profite de ta journée de demain. En tout cas, vous pouvez applaudir. Kouchas. Merci. Ouais. Troisième place, 1997 points, Brother Main. Ouais. Alors en tout cas, comment tu te sens, bro? Soulagé. C'est fini. C'est pareil que Kouchas, c'est fini. C'est vrai. Il a. Ah, on voilà. En parle pas. On en parle pas. Ouais. On en parlera ce soir, on ira dans un bar après et on pourra vous raconter voilà. Toutes les anecdotes en le backstage de l'UD4, ce qui s'est dit avant et après. Mais toutes les prophéties qui ont été faites ont été accomplies. Hein. Sauf celle où Brother Main arrive premier, qu'on avait fait tout à l'heure et on était pas mal quand même. Ouais, on avait dit deuxième partout, on avait pas envisagé que tu ferais deuxième à la fin. Ça. Non mais c'est à cause de Chip and Dale. Alors oui, puisqu'on parle de Chip and Dale. Voilà. Voilà. Cette abeille, elle va me rester en travers de la gorge pendant très très longtemps, je pense. Vraiment. Bah ouais, c'est clair, parce que je pense, pour ceux qui évidemment ne sont pas forcément bons, je vais faire le calcul. Toi, tu t'attendais plus à une run, genre tu visais pas loin de 200, comme beaucoup de runners, j'imagine. Bon, il se trouve que pour personne, ça s'est bien passé, mais il te manquait du coup qu'une dizaine de points, donc avec une run à 199 points, t'étais du coup égalité. Et effectivement, cette abeille a dû être terrible. Déjà, t'as réussi à finir ta run, je sais que. C'est à prendre d'un coup 40 secondes, 40 ou 50 secondes de retard, c'est psychologiquement très dur. Surtout qu'il y a eu l'abeille, puis après il y a eu une tonne de trucs qui se sont passés. C'était vraiment, j'ai jamais vu un run de j'allais dire DuckTales, de Trendale aussi mauvais. Enfin, bref. C'est comme ça. C'était quand même très amusant, je suis très content d'être là avec le public et vous, et c'était super cool. Mais oui. On parlait des showmatchs à Tifa tout à l'heure. Est-ce que tu as pareil, toi aussi, des jeux que tu aurais aimé runner demain? Doom 2 et peut-être Metroid. Ah. Peut-être Metroid. Peut-être. Et bien, du coup, tu pourras profiter de ça. Pareil, au chaud, sur un fauteuil, relax. Je vais pouvoir juger les gens. Ah, c'est merveilleux. Et bien, en tout cas, bravo. Merci beaucoup. Bravo, vous pouvez l'applaudir, Brother Main. Bravo, Brother Main. Et enfin, 2007 points, Mel West. Ouais. Alors Mel West, comment tu te sens cette fin de journée? T'es bien, t'as bien décompressé, t'es content que ça s'arrête comme les autres? Je me sens pas très bien. Mais ouais, je suis très surpris de ce que j'ai fait. Je suis content de cette victoire. Mais ouais, enfin, je m'attendais pas du tout à gagner, donc je sais pas quoi dire, franchement. Bravo quand même, tu dois être un peu content. Oui, je suis content, mais voilà. Je retiens toujours ce que j'ai fait de mal, donc forcément. Ouais, je suis comme ça, mais bon. Donc j'y pense, je tiens à remercier mon manager Trinix. Ah, tout le monde remercie Trinix. Aussi loin à l'équipe Team Calin et Oublabla 2 qui sont là-bas, qui m'ont beaucoup soutenu. Et aussi Osu à New French et tout ça, etc. Je suis très content, tous ceux qui m'ont soutenu, très bon public. C'était vraiment très très bonne ambiance avec les finalistes qui méritaient tous de gagner bien plus que moi. Et... Non, mais franchement... Et ben en tout cas d'ailleurs ça on va en tout cas encore bravo, tu faisais quand même partie des favoris, mais enfin, après faut les faire, il y a eu des accidents comme tout le monde, mais t'as quand même fait malgré les accidents plus de 2000 points. Ouais. Moi je suis en train de décéder. je suis
carrément mort, mais trop fatigué, c'est trop fatigant, c'est trop dur. Il y a une question fatidique quand même. Mel West est premier du coup de l'Ultimate Final 4. Il peut pas être premier du championnat. Donc il faut voilà, grinder toute la nuit, vous avez jusqu'à demain soir. Non, en vrai, tu risques sans doute de faire premier du championnat et premier de l'ultime finale. Bah, je serais surpris si je suis pas premier du championnat là, parce que là par contre, j'ai pris une petite avance, normalement je suis bien. Millet est en train de grinder. Millet, Molyman, on compte arrête sur vous. Tout de suite. Allez-y. Ouais, je crois que c'était 22 ou 23 heures qu'on a mis sur le site, un truc comme ça en début de saison, je ne sais plus. Ça se décale. Ça se décale. 25 avril. En tout cas, bravo en tout cas. En tout coup, c'est marrant parce que tu faisais partie des favoris en fin de saison. En début de saison, t'étais pas là, donc t'étais pas dans les pronostics. Heureusement que t'as rejoint cette saison. Qu'est-ce qui t'a motivé en mi-saison, enfin en tiers de la saison, à finalement venir? Trinix. Non, mais au début, c'est vrai que quand l'annonce des jeux, j'étais pas du tout motivé et. J'ai dû apprendre Dark Souls pour mon équipe, ils sont vraiment sympas, ils m'ont donné Dark Souls pour commencer, du coup j'ai attendu un mois et demi ou deux, j'ai vu que Kourou pouvait m'intéresser beaucoup, j'ai commencé un grain de jeu, j'ai vu que je pouvais faire quelque chose sur le Penta B, et du coup j'ai continué, après voilà, je peux pas m'arrêter quand je continue, j'ai envie de faire ce que je peux, de gagner le championnat, et c'est ce que je pense que je vais réussir à faire demain. Quoi. Et ben en tout cas, bravo à Mel West. Ouais. On dit à tout le monde de revenir. Tout le monde. Tout le monde, pardon, les 4 finalistes. Tout le monde. Pour moi, les photos, si vous avez des photos à prendre, les 4 finalistes seront là avec nous. On va peut-être se mettre debout. On va être encore dans le cadre. On va attendre un petit peu. Non, tu devrais être dans le. Ça doit être bon. Ah oui, c'est bon. Est-ce que voilà. Salien. Salien est là. Ou est-ce qu'il a nommé quelqu'un? Eh ben faut qu'ils viennent. Salien de Mars. Alors il y a des gens qui pointent. Alors je ne sais pas si c'est la qui personne. Descend. Ah il arrive parce qu'il était dans le noir. Oh. Notre plus grand bienfaiteur quand même qui permet depuis deux finales que l'événement ait lieu. Alors du coup est-ce qu'on peut apporter le bouquet? On avait promis du coup un bouquet. Salut d'ailleurs et merci. Le ça bouquet va. Qui devrait arriver dans quelques instants. Ah mais non, mais en fait, il est derrière mon siège. C'est toi qui l'as. On l'avait mis de manière stratégique pour que je puisse le saisir en un seul geste. T'inquiète, tu veux donner le bouquet du premier à Salien qui le donnera au premier. On voulait faire un relais. Des fleurs. C'est pour qui? Je viens d'arriver, j'ai pas suivi. C'est toi qui choisis. Bah, si tu veux faire un mot d'ailleurs. Un petit. Le mot du. D'accord. D'accord. Et ben en tout cas, voilà ce bouquet du coup, Mel West de la part de Salien. Ensuite, tu te retournes et tu le lances dans le public et ça sera le gagnant du prochain UD. Ouais, comme les coutumes dans les mariages. Qui pense être le prochain gagnant? Moi, le bouquet. Qui battra Mel West à la prochaine ultime finale? Ah, il prend peut-être sa retraite, on leur a pas posé la question, ceci dit. Mais c'est ça la prochaine question, en fait, parce qu'on va faire sans doute une saison 5. Certainement, en fait, on a déjà une liste de jeux, quasiment. Qui est là? Qui est là? Ah, ils peuvent la voir, en fait. Oh, il y aura Batman. Et du coup, je te laisse poser si tu veux les questions, t'inquiète, la question fatidique. Alors, est-ce qu'ils ont les micros? Ils ont un micro là qu'on peut faire passer. Voilà. Couchasse au bras long. Du coup, voilà, Couchasse, tu l'as. Alors, s'il y a un UD5, est-ce qu'on t'y voit? C'est ça. Vous savez ce qu'on dit, hein? Jamais 203. Donc oui. Ouais. Brother May, une même question. Eh ben, je pense que c'était ma dernière ultime finale. Et je pense que c'était mon dernier UD. Et je rigole pas. Hein. C'est vraiment, je pense, mon dernier UD. Je pense que je participerai pas à l'UD5. Petite retraite temporaire au moins, en tout cas. Voilà.
J'ai pas dit temporaire, mais oui, si tu veux. Du coup, Tifa, toi aussi, c'est vrai que t'es là depuis l'UD2. Brotherman, il l'a déjà dit tout à l'heure, c'est quand même épuisant à force. Voilà, oui. Ça commence à faire long. Du coup, est-ce que toi, tu vas continuer? Alors, au début, je sais pas encore, parce que j'ai des trucs de prévu. Mais si j'ai la possibilité, je le ferai, oui. Oh. Et du coup, Malouest, toi, tu viens de gagner, donc t'as deux choix, partir en champion ou revenir défendre ton titre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a de bonnes chances que je revienne. Oh. Mais peut-être pas en début du dé, par contre. Je pense attendre un ou deux mois au début, comme j'ai fait cette saison. Oui, bah comme là. Tes méthodes ont fait leur preuve. Pour d'autres raisons. Bon. Au début de l'UD5, il n'y aura personne, tout le monde fera la stratégie Main West. C'est se reposer. De toute façon, tout le monde a fait des pauses. Je pense que la pause, un des messages aussi quand on s'entraîne, vous l'avez tous fait à différents moments, que ce soit au début ou à la fin, que ce soit une participation tardive ou une pause en milieu de décathlon, se reposer aussi pour se ressourcer. Parce que c'est vrai qu'effectivement, des fois, il y a des moments où on n'arrive plus à PB, on est fatigué. On arrive en pleine forme, pimpant, et là, d'un coup, on a de l'énergie. Je crois que vous avez tous fait des pauses ici, me semble-t-il. Hein. Donc, et ben en tout cas, je sais pas si vous dans la salle vous serez à la cinquième saison. Donc... Quoi qu'il en soit, on a des infos à communiquer, à rappeler pour demain en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a demain, Twin? Demain, on fait des show match, donc c'est la coutume. On fait toujours une journée de décathlon, de speedrun sérieux, et le lendemain, on fait du speedrun un peu plus fun. Cette fois-ci, il y aura 4 équipes de 5 runners qui doivent être à peu près tous dans la salle qui runneront. Vous le connaissez déjà, mais je vous les redonne sur 10 jeux des décathlons précédents. Ça sera Castlevania, Metroid Zero Mission, Nuclear Throne, Doom 2, Mega Man X, Super Monkey Ball, Trials, DuckTales, Super Ghouls and Ghosts, et on finira par Spelunky. Ça commencera à 13h demain. Entre chaque jeu, il y aura les récompenses des différents gagnants, des gagnants des 10 meilleurs jeux, des meilleurs jeux par jeu, des gagnants sur le pentathlon A, le pentathlon B. Vous reverrez ces joyeux lurons, c'est sûr, à un moment ou à un autre. Il y en aura plein dans la salle qui seront avec nous. Et donc ça commencera à 13h. Ça serait bien que les runners qui runnent demain viennent avant, vers midi, histoire de setup, tout ça. Je les vois, ils hochent la tête, c'est bien. En tout cas, encore, on peut applaudir une dernière fois, en tout cas, nos runners. Et il y a également d'autres personnes à remercier et à applaudir. Je vais les appeler en deux vagues, comme on avait fait la dernière fois. C'est-à-dire les gens, avant de faire monter sur scène, vraiment toutes les personnes qui nous ont aidés, ainsi que les personnes qui nous ont aidés spécifiquement pour cette ultime finale. Déjà, l'équipe qui était là du début de la saison, un mois avant que ça arrive, que ça commence, c'est-à-dire que quand on commence à sélectionner les jeux, continuer le site et tout ça. Donc, Prosper, qui peut nous rejoindre. Ouais, Prosper, Indigeste, Vandal, Tori, Anxest, Crocnox, Giorgino, Nuke, Jason. Voilà. On va faire venir tout le monde. Voilà. Mais c'est ça qui est très très drôle. Si vous voulez donner un. Si vous voulez dire un tout petit mot. Un petit mot, Prosper. Un petit mot, Giorgino. Sans toi, il n'y aurait rien, Prosper. Merci, c'était super. Vous êtes super. Giorgino, un mot pour... Un mot pour... À propos de quoi? J'ai plus trop de voix. J'ai beaucoup supporté les gens, alors je peux pas trop dire de mots, mais... Mais voilà, c'est tout. Tu as quand même repris le site après Arrest. Arrest, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a fait beaucoup pour nous. Il a fait toute la base, ouais, on le remercie encore. Et malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui, il nous regarde en stream. Coucou Arrest, c'est trop bien ce que t'as fait. Alors là, la liste, elle va être... Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, Tori, Indigest, qui veulent dire un mot.
faire, de bosser sur l'idée et de se retrouver pour l'ultime finale. Donc voilà, c'est cool. Tori qui a fait les t-shirts qui sont magnifiques. Moi, je voulais remercier aussi Chamout qui m'a beaucoup aidé pour les clips vidéo. Voilà, il est là. Merci Chamout. Indigeste. Quelqu'un d'autre de l'équipe Vandal. Vandal, il veut dire un petit mot. Bonsoir déjà. Alors, j'avais dit que j'allais dire quoi ? Ah oui, ça y est, c'est. Chris of Ness, ouais, ça c'était moi, hein. C'est vraiment de fabrique. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Millet, mais il nous regarde depuis la Corée. Il était avec nous sur le chat, t'es avec nous, donc Millet, je sais que tu nous entends. Alors réagis sur le chat, mais je pense pas que je pourrais le voir, mais dans nos cœurs, je sais que t'as réagi. Donc, voilà. C'est vrai qu'on peut faire un coucou à Millet quand même. Ceux gagnant qui ont... de la grande finale jour 2, qui n'a pas pu venir. Il doit être dans son lit. C'est bon. Et du coup, là, vous allez rigoler parce que ça va faire name dropping, mais il y a beaucoup de gens qui ont rendu cet événement possible. Et au-delà de la team Orga, il y a tout un tas de personnes qui nous ont aidés ponctuellement, soit pour faire des icônes, des vidéos, modérateurs de jeux, bêta-testeurs, etc. La salle va se vider. Et c'est des gens qui ont vraiment fait des choses pour que la saison fonctionne. Et là, il s'agit même pas encore des personnes qui ont aidé spécifiquement pour la finale. Vous allez voir, ça fait beaucoup de gens. Nous avons donc Urubas, Zof, Moonrim, Sablier, Le Namek, Dose, Elgérine, FrappZC, Moliman, Gyo, Kouchas, MTK Weber, Naruto Seb, Nenes, Psychose, Ronnie, vous pouvez venir d'ailleurs. Ronnie, Psychose, je disais, Ryuka, Virus, Xorven, Ziguigui, Le Chamout, Jante, Cladol, Keltris, Stéphleur, Brothermain, Biwix, Metallo, FrappZC, Fkaristo, Rilmiop, les étudiants et l'équipe du Rubika. Donc tous les étudiants aussi, là, j'ai malheureusement pas noté toute la liste, donc la mémoire me fera défaut, mais les étudiants du Rubika qui nous ont également aidés, ainsi que leur équipe de direction. Et là on voit qu'on est nombreux, Twin. C'est vrai qu'on est nombreux, c'est vrai qu'on a énormément d'ambition pour organiser cet événement et donc on a besoin de toute cette énergie. Il y a pas mal de rôles différents quand même là-dedans. Il y en a qui ont aidé à modérer, organiser les jeux. Il y en a qui ont eu des rôles plus spécifiquement sur l'ultime finale. Il y en a eu qui ont fait des suivis tout au long de la saison. D'autres qui ont aidé au montage et à la réalisation vidéo. D'autres au graphisme. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. On a besoin de tout ça. On a besoin aussi de tous les runners de toute façon, sans qu'il y aurait rien. Mais c'est vrai que l'organisation de tout ça, ça a l'air de vous motiver quand même un petit peu. Toujours. Un petit peu. Merci, merci. Ouais, vous pouvez, un grand merci. Alors, spécifiquement pour cette ultime finale, je sais que il y a Chat qui nous a également aidé. Je ne sais pas où elle est. Il y a Anne-Laure qui est encore occupée à prendre des photos. À prendre des photos. Mais s'ils veulent venir faire un coucou, et je réfléchis vite fait, l'équipe de Rubika, on leur a dit de venir, mais ils sont là-bas, voilà. Regardez, voilà, ils sont là-bas. C'est grâce à eux qu'on est ici quand même, dans ce magnifique amphithéâtre. Ah, c'était cool, vous pouvez les applaudir. Du coup, Chat et... Et du coup, mais ça vous le savez pas encore, Pirbip aussi du coup nous a aidé, donc... Vous le verrez demain. Voilà. Et là j'espère... Alors a-t-on oublié des gens ? Normalement non. Plus tous les runners qui ont été adorables pendant toute la saison, on peut les remercier. C'est ça, on fait pas venir tous les gens qui ont rendu le Tipeee aussi possible, qui l'ont financé, parce que vous en faites tous partie. Mais c'est vrai qu'il y a de nombreux gens, personnes qui nous ont soutenus. Certains qui pouvaient même pas venir et qui adorent trop ce qu'on fait. Certains qui ont acheté un t-shirt hors de prix juste pour nous soutenir, c'est merveilleux. Et c'est grâce à vous tous qu'on est là. Et donc nous, on en est infiniment reconnaissants quand même. C'est grâce à vous, c'est grâce à
Aussi, aussi. Ah bah. Vous avez raison, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Donc merci. Oui, pardon. Donc c'est grâce à vous deux qu'on est là aujourd'hui. Donc merci d'avoir organisé l'UD1 il y a 2 ans maintenant. D'avoir donné l'envie à tout le monde de le faire et de vous accompagner depuis l'UD2. Donc merci à vous. Merci. Et merci à Tenke aussi, du coup, de nous avoir rejoint cette supporté. Non, merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de participer. Ah, on adore se remercier. Non, mais dans le game, ouais, dans le game du speedrun, c'est pour le CV en fait. C'est pour là, le speedrun. Bah oui, c'est pour ça. Et en tout cas, des bisous à tout le monde. De toute façon, on rappelle, il y a moyen du coup de se restaurer en sortant avec d'autres partenaires qu'on n'a pas mentionnés. Parce qu'effectivement, il y avait Rubika Arena, Serre Numérique. Le buffet engagé du coup qui a fait les repas du coup et qui s'est déplacé pour nous les orgas et pour vous les spectateurs, qu'on peut aussi tous ses partenaires applaudir. Donc un bisou aux runners qui n'ont pas pu se déplacer, qui étaient sur le chat, avec lequel on a assez peu interagi aujourd'hui, mais c'était exceptionnel et ils nous excusent, on le sait. On leur fait plein de bisous et on espère qu'ils seront là à l'UD5 ou en tout cas à la finale de la saison 5. Parce que ça... À Twitch. Coucou à Twitch. Donc voilà, il y a moyen de se restaurer en sortant. Et on peut également boire un verre. On a le bar qui s'appelle le Bureau, c'est ça ? Le bureau, c'est ça. On ira là-bas, on a réservé. On peut accueillir entre 50 et 80 personnes, voire une centaine. Donc pour boire un verre, après s'être restauré, ça peut être sympathique. On parlera de tout un tas de choses. Et je crois une des dernières choses, me semble-t-il, c'est que on avait promis. C'était la version. Je sais pas si on a une première. On a une version. Ouais. Oui, il y en a une. Tu m'as fait peur avec ton regard, Prosper. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? La surprise ! C'est la première version du coup, parce qu'on rajoutera les personnes qui nous ont aidés après la deadline, parce qu'il y a un rendu, c'est normal, on peut pas le faire en claquant des doigts. Donc cette première version du coup du merci pour clôturer cette première journée, mais ça n'est que la première journée, demain c'est dimanche, 13h, 20h, 10 speedrun, plein de personnes récompensées. On va tous vous faire un coucou ici présent, on va dire coucou, bonne soirée, bon générique, salut !